Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Nuit du Sport. Comme chaque mercredi sur les antennes de Spectrum Télévision, nous sommes le 17 août. Alors on en profite pour souhaiter bonne fête nationale à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais qui nous regardent ce soir. Trois articulations majeures au menu de l'émission de ce mercredi. Tout d'abord un pause actu avec la CAN 2019 qui se profile déjà à l'horizon. Hier, le Cameroun et l'Italie ont a fait les accords financiers à Yaoundé destinés justement à la construction du complexe sportif d'Olembé qui fait partie du cahier des charges du Cameroun, pays organisateur de la prochaine CAN masculine. Ce sera en 2019. Davantage de précision tout à l'heure. Et puis en deuxième partie de cette émission consacrée aujourd'hui au scanner, nous sommes allés à la rencontre de Marthe Moira, plus connue sous le nom de Dinali. Elle a donc décidé de démissionner hier de ses fonctions de présidente de Dynamo Football Club de Douala. Qu'est-ce qui justifie cette démission? Vous l'écouterez tout à l'heure dans le scanner. Et enfin, en troisième partie de cette émission, place au débat. Ça y est, fini la trêve. C'est donc reparti pour une nouvelle saison dans les stades européens. Les championnats français et anglais ont repris le week-end dernier. La Liga espagnole et le Calcio en Italie reprennent ce week-end. La Bundesliga pour sa part reprend le 26 août pour ne citer que ces quelques exemples. Mais d'un championnat à un autre, on va constater tout simplement que les footballeurs camerounais se font rares dans les plus grands clubs européens alors que le mercato est en train de bouger. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Ce sera le thème du débat de tout à l'heure. Quatre invités ce soir pour vous tenir compagnie jusqu'à 23h30. Je vais commencer par mon confrère journaliste Sylvain Kouambi. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Lydie Makeda, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir que de me retrouver parmi vous en compagnie de ces invités pour débattre de la question sportive. Tout à fait. Et juste en face, Parfait Magloire Sand, dirigeant des clubs, est avec nous. Bonsoir Parfait. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous vos charmants téléspectateurs. Oui. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau pour discuter ensemble de l'actualité qui aura marqué la semaine au Cameroun et dans le monde. Tout à fait. Et des invités permanents de la maison, on va le dire. Yves, non, ça faisait un petit moment. Bonsoir Yves. Bonsoir Lydie, bonsoir à Sylvain, bonsoir à Parfait, bonsoir aux téléspectateurs que je retrouve après tant de temps passé dans l'ombre, comme vous dites. Et ce soir, on parle de mercato, ça vous dit forcément? Oui, bon, on suit tous le mercato, hein. C'est un peu comme si les femmes vont au marché, elles ont justement de quoi argoter quand il faut choisir entre les produits proposés par les marchands. Oui. Alors, et enfin, Serge Zambo. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Lydie. Mmh. Bonsoir aux téléspectateurs. Je suis très ravi de participer une fois de plus à ce débat. Tout à fait. Voilà pour le panel de ce soir. Petite transition. Et on se retrouve tout de suite pour la pause actu. Et c'est par les Jeux Olympiques, actualité oblige, que nous ouvrons cette première partie de l'émission. Il faut dire que jusqu'ici, la Cameroun Olympic Team n'a enregistré aucune médaille depuis, je ne sais pas pourquoi ils n'ont souri, depuis le coup d'envoi de ces Jeux Olympiques d'été du côté de Rio, c'est au Brésil. Et aujourd'hui, l'une des trois lutteuses camerounaises, par exemple, est en compétition, Rebecca Ndolo Mwambo, qui a malheureusement perdu contre la Bulgare Yankova Elitsa 10-0 au point dans la catégorie de moins de 48 kilos. Donc demain jeudi, deux autres lutteuses vont descendre dans l'arène, Aliana Bellor et Emilienne Diaco, qui représentent ainsi les derniers espoirs du Cameroun. Alors Sylvain Kouambi, quelle analyse justement est-ce que vous faites du comportement de la Cameroun Olympic Team jusqu'ici? Donc je pense que c'est un très bon comportement, du moment où on va beaucoup plus pour l'apprentissage. On ne va pas
en cette compétition. C'était pas quand même l'objectif visé. Au départ, on avait suivi le colonel Kalkaba. Oui, il va beau dire ce qu'il va dire quand il est face à la presse, mais quand on regarde le vécu de ses compétiteurs avant l'échéance des Jeux Olympiques, on se rend compte qu'il n'y a pas une préparation de fond qui est faite. Je me souviens encore, il y a quelques temps, c'était à l'occasion des obsèques du feu Maïbi. Ouais. On a rencontré le président de la Fédération camerounaise de boxe, avec qui on a échangé et qui nous a fait savoir qu'aucun boxeur camerounais ne peut prétendre à une médaille d'or. On lui a posé la question de savoir pourquoi. Mm-hmm. Il dit parce que la préparation n'est pas bien faite. Et là, c'est le président de la fédération. C'est le président de la fédération. C'est-à-dire, on était à près d'un mois des Jeux Olympiques, mais il vous faisait déjà savoir qu'on va juste aller là-bas pour apprendre. Et quand on lui a demandé la raison, il a dit parce qu'il n'y a pas de moyens pour se préparer. C'est logique, non? Donc, les gens sont surpris de savoir que le Cameroun, jusqu'ici, n'a encore décroché aucune médaille. Mais c'est une logique de ce qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis. Regardez un peu combien est mis pour le déplacement. On va avec 24 athlètes. On est à plus d'un milliard de francs CFA. Imaginez si on avait investi, ne serait-ce que les un quart de cet argent dans la préparation, je pense qu'on aurait fait meilleure prestation. En même temps, certains vont vous dire aussi que le Brésil, c'est pas la porte d'à côté. Non, c'est pas une question de porte d'à côté. Ça veut dire que si on va avec 300 athlètes, un peu comme les États-Unis le font ou la Chine, faites 1 milliard et presque demi pour 24. Donc imaginez à chaque fois qu'on double 24 par le nombre de milliards que ça va faire finalement. Je pense que le budget peut-être du Cameroun va être absorbé pour aller jouer les Jeux Olympiques. Non, à un moment, il faut qu'on soit un peu sérieux. Il est préférable qu'on mette beaucoup plus des moyens pour la préparation que pour aller participer à ces Jeux. Et pour moi, ce n'est pas une surprise qu'on ait zéro médaille jusqu'ici. Les athlètes sont allés là-bas pour apprendre. Le président de la FECA Volley encore le disait. Ouais. C'est la première fois que cette équipe de volleyball féminine se retrouve à ce niveau de la compétition. Donc pour lui, il est satisfait de cette participation du moment où elles se sont frottées à beaucoup plus professionnels qu'elles et elles ont beaucoup appris de cette expédition. Ouais. Donc on partait beaucoup plus là-bas avec la casquette des personnes qui partent apprendre que de ceux qui partent pour conquérir des médailles. Alors c'est une analyse que vous partagez, c'est Zambo. C'est normal que jusqu'ici au Cameroun n'ait engagé aucune médaille. Bon, peut-être c'est pas normal qu'on ait engagé aucune médaille, parce que il me souvient quand même que je me parlais toujours du passé. Hein, à l'époque quand nous avions Joseph Bessal, on ne savait même pas s'il pouvait la remporter. On a eu Martin Dongwebanga. On a eu peut-être avec Mbango, c'était quand même plus sûr, vu les moyens. Là, je rejoins mon ami panéliste sur le plateau. Il y a quand même des moyens, parce que Mbango ne s'entraînait pas au Cameroun. Et ma foi, on a aussi eu une bonne médaille d'or avec... Elle va vous dire aussi qu'elle s'est entraînée dans des conditions difficiles. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ma plus grosse déception reste le boxeur professionnel qui a fait beaucoup de tapage et puis qui, malheureusement, s'est fait Hassan Dam, éliminé dès le premier tour. Donc, moi, j'avais bien espoir en Hassan Dam. Mais à partir du moment où Hassan était sorti, je me suis dit forcément que les carottes étaient cuites. Bon, j'ai aussi également suivi le coach Akono du volley, dire que pour lui, c'était le dernier match qui représentait un tout petit peu la finale, parce qu'il fallait vaincre, je crois, l'Argentine pour rester avant-dernier. Bon, alors quand un coach le dit déjà, forcément, je rejoins effectivement ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'on est parti effectivement pour apprendre. Bon, maintenant, est-ce qu'en apprenant, dans 4 ans, on va être plus aguerri, wait and see. Alors Yves, non, une analyse aussi par rapport à la Cameroun Olympic Team à Rio. Justement, moi, mon analyse se basera aussi un peu sur le passé. Mais je veux dire que quand on attend des résultats, on mise sur les talents et sur le travail. Donc ça, c'est un volet qui concerne essentiellement les encadreurs, les préparateurs, les gestionnaires en fait. Donc le choix des athlètes et puis leurs conditions de préparation. C'est l'association du talent plus le travail qui fait les résultats. Or, on sait que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Alors vous n'allez pas me dire que
un pays comme le nôtre, qui aura bientôt 60 ans depuis son accession aux indépendances, donc qui a participé quand même aux Jeux Olympiques, et là je voudrais reprendre ce que Serge a dit tantôt, si Bessala, dans les années 68, a pu nous ramener une médaille d'argent. Centenant dans quel Je voudrais bien interpeller Sylvain pour savoir est-ce qu'on devrait encore se dire qu'on apprend quand on a bientôt 60 ans après l'indépendance. Sauf que le contexte est différent. Oui, d'accord. Il faut bien qu'on... Mais il s'agit des Jeux Olympiques. Mm-hmm. Bessala, en 68, a ramené une médaille d'argent. Bon, un peu plus tard, en 88, Ndongwe Banga a ramené une médaille de bronze. Bon, c'est vrai qu'on a des résultats éclatants comme ça. Dispersés, mais n'empêche que c'est des résultats qui restent dans notre palmarès global. Alors, il y a Mbango qui a ramené deux fois. Il y a les Lions Indomptables qui ont ramené une fois en 2000. En 2000. On ne peut plus vraiment, honnêtement, dire qu'on va pour apprendre. On a déjà engrangé. On a un statut. Oui, on a un statut. Dans les on a un statut. On doit donc se baser sur ces résultats-là antérieurs pour essayer de faire plus. Alors, pour faire plus, il faut travailler. Il faut préparer. On sait que c'est tous les 4 ans. Les autres se préparent 4 ans. Nous, on attend la veille du départ pour focaliser l'attention de toute l'opinion sur la discussion de oui, on a donné 1 milliard, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est pas suffisant. Et puis, on s'arrête là. Puis on dit oui, non, Pierre de Coubertin avait dit que l'essentiel, c'est de participer. Moi, je dis, bon, si on veut se limiter à aller amuser la galerie, ça sert à rien qu'on dépense de l'argent. Cet argent pourrait servir à autre chose, si ce n'est que pour ça. Alors, je vais terminer ce sujet par vous, parfait Magloire Sang. Est-ce que vous avez aussi l'impression que la team Cameroun est allée pour apprendre? C'est vrai que certains athlètes avaient des objectifs personnels. Hein. On a suivi, par exemple, Yon Dokmo, qui a dit battre son record personnel. C'était déjà une satisfaction. Est-ce que pour vous aussi, pour le Cameroun, c'est un échec? Oui, moi je crois certainement que c'est un échec, mais je vais un peu nuancer ma réponse. Vous savez, j'ai dit on ne peut pas éternellement dire qu'on va apprendre. D'accord, quand il s'agit du volet, nous sommes tout à fait d'accord que de ce côté-là, on peut affirmer sans aucun risque de nous tromper qu'on va apprendre. Mais quand nous avons déjà eu à gagner des médailles, avec certaines disciplines, on ne peut plus dire que nous allons apprendre. C'est ça le véritable problème. Oui, c'est ça le véritable problème. J'ai dit quand c'est la première fois, à ce qui concerne une discipline, c'est tout à fait normal qu'on dise que nous allons apprendre. Mais quand c'est la boxe, on en a déjà eu des médailles, on ne va pas dire que nous allons encore apprendre. Nous allons là-bas aussi pour titiller les autres, déjà que nous avons déjà eu des médailles auparavant. Mais moi, je crois que le véritable problème qui se pose, comme l'a dit Yves, c'est la préparation. On ne prend pas du temps à préparer une équipe dans ce pays. On a toujours l'impression que les événements sportifs nous surprennent. Ça, on a cette impression. Vous voyez à quel moment on débloque les moyens, à quel moment on fait ceci. C'est à quelques deux ou trois jours ou une semaine de l'événement. Mais entre-temps, comment est-ce qu'on s'entraîne? Comment elles sont centaines? Il faut envoyer des gars se préparer là où on est sûr que avec cet entraînement, on pourra quand même requérir quelque chose. Tel ne semble pas être le cas. Tel ne semble être le cas. Vous avez vu le Sud-Africain qui a gagné les 400 mètres. On nous fait comprendre qu'il s'entraîne au centre de Usainbot. Donc vous voyez que l'Afrique du Sud a mis des moyens pour que ce monsieur aille s'entraîner là où on est sûr et certain que la victoire peut arriver. C'est ça le problème. Mais ici au Cameroun, on est encore dans l'amateurisme marron. Et tant qu'on reste dans l'amateurisme marron, vous allez voir. C'est-à-dire même les joueurs sur qui on... les athlètes sur qui on a espoir ne peuvent pas passer. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être... boxeur professionnel. Mais il y a d'autres choses tout autour. Vous commencez une compétition, on parle d'entraîneur, on parle de ceci, on dit le Paul Tanga. Et pourtant, nous avons des très bons athlètes. Ça, tout le monde le sait. Des très bons athlètes qui n'ont besoin que d'un suivi. Un bon suivi. Parce que vous ne pouvez pas... Parce qu'il y a des athlètes qui sont partis, leur entraîneur personnel, ils sont restés. Ils ont besoin d'un suivi particulier. Vous ne pouvez pas gagner une médaille d'or
C'est-à-dire, après s'être entraîné, vous allez vous asseoir, vous commencez à manger des beignets et tout. Non, même sur le plan physiologique, l'organisme a besoin de certains aliments nécessaires pour faire certains efforts. Mais par contre, ce n'est pas ça. Donc vous voyez, quand on se retrouve dans ce sort d'imbroglio, et on vous dit qu'on a dépensé près de 2 milliards pour ces athlètes, on se pose bien la question de savoir, c'était pour faire quoi? C'était nous, pour nous faire quoi jamais au pour rentrer avec zéro médaille. Alors, il y a quand même les dernières athlètes. Demain, Ali Annabelle Laure, Emilienne Thiaco. Maintenant, nous sommes en train de faire des signes de croix pour qu'au moins de ce côté-là, quelque chose arrive. Bon, même si on peut même attraper quelque chose au Kazakh. Mais comme c'est parti, j'ai bien peur qu'on ne rentre. Moi, j'ai bien peur. Vraiment, je ne suis pas, pessimiste, mais il faut être réaliste. C'est ça. Une mauvaise préparation n'entraînera jamais un bon résultat. Pas sauf forcément pour des cas purement exceptionnels, parce qu'il y a des gens assez doués. Mais combien le sont-ils encore dans notre pays? C'est ça le bonne question. En tout cas, on va. Non, pas forcément. Je ne sais pas si je peux faire un petit rappel à mon ami. Sam. Il me souvient qu'en 88, le Cameroun avait préparé la CAN en 2 semaines et on l'a gagné. Je dis bien 2 semaines. Nous sommes en 1988. Donc, pas forcément bon. C'est vrai que peut-être cela a été doué, comme il le dit. Mais quand on a des joueurs. Non, mais c'est dépassé quand même. Oui, quand on a des joueurs exceptionnels. Mais on a peut-être plus qu'on pourra pérenniser ce genre de choses pour qu'on puisse avoir des résultats. Bon, mais c'est dépassé. Est-ce qu'on a encore ces joueurs exceptionnels? Si je peux dire quelque chose. Oui, rapidement, on va passer. Je me souviens lorsque les Lions d'Indomptables sont revenus de l'expédition je crois que c'était de la Namibie. J'avais posé la question au professeur Joseph Ouna, est-ce que ces exploits des Lions ne sonnent pas le glas du football féminin? Tout le monde s'était moqué, mais sauf que quelques jours après, on ne s'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est pour vous dire que si on veut toujours rester dans cette conscience, que parce que hier, on a préparé un jour. Non, je ne voulais pas rester. C'était juste un petit rappel. Il a dit que c'était ça ne marche pas. Parfois, ça ne marche pas. D'accord, allez, on va parler. Dans ces temps-ci, ça ne marche plus. On va parler de la CAN 2019 de football masculin que le Cameroun va donc abriter. La CAN qui se profile déjà à l'horizon. Je vous le disais à l'introduction de cette émission, le Cameroun, pays hôte de la compétition, a donc paraphé hier, mardi à Yaoundé, des accords de financement avec les banques italiennes. Celles-ci vont donc débourser 139 milliards de francs CFA pour ajouter aux 24 milliards de francs CFA de la partie camerounaise destinée à la construction du complexe sportif d'Olympie. Enfin, le point dans son reportage que signe à Yaoundé Mireille Siabji. 139 milliards, c'est le montant total des ressources financières qu'octroie au Cameroun la banque italienne Intesa San Paolo. Cet argent est destiné au financement du projet de construction du complexe sportif de Yaoundé au Lembe. Concrètement, la maquette de cette architecture présente un stade de 60 000 places assises, deux terrains d'entraînement, un gymnase, une piscine olympique, des terrains de basketball, tennis et volley, ainsi que des espaces commerciaux et un package hôtelier doté de 70 chambres. La signature de ces accords de crédit entre ces deux institutions financières italiennes et le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, consolide la coopération entre les deux pays, mais aussi témoigne de la détermination du gouvernement camerounais à abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Il faut par ailleurs dire que le complexe sportif de Lembe sera développé par la société italienne Piccini en conception-réalisation pour un montant arrêté à 162,44 milliards de francs CFA. On a commencé le travail depuis 4 mois. 4 mois et demi. On a fini toutes les études, et on a fini tous les différents stages, on a fini un grand pourcentage de travaux de terrassement. Et en fait, on va être prêt pour commencer avec les fondations et les structures dans quelques semaines. Le CAN, c'est à janvier 2019, mais notre plan et notre programme est planning, et jusqu'à maintenant, on respecte ça et on va continuer à respecter ça. C'est pour finir le travail le fin de juin 2018. Pour le stade de Douala Japuma, nous espérons signer prochainement, dans les prochaines semaines.
pour que ces deux infrastructures-là connaissent une accélération au niveau des travaux d'exécution. Précisons que c'est à la suite d'une autorisation du chef de l'État datant du 4 août dernier qu'Alamine Ousmane Mey, le ministre des Finances, a signé avec Union Bank for Africa une convention de prêt d'un montant de 24,5 milliards de francs CFA représentant le financement de la contrepartie de l'État dans le coût global du chantier du complexe multisport de l'EMBE. Merci à Mireille Siabgé. Une réaction rapide peut-être, Yves, non, par rapport à ces accords, à la CAN 2019 qui se profile déjà. Bon, l'accord est signé, d'accord. Moi, je ne sais pas. On a l'habitude de vouloir trop faire des choses trop compliquées, alors que les choses les plus simples nous dépassent à réaliser. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai vu tout le mal qu'on a eu pour faire le petit stade de Limbé. Mm-hmm. Ça a pris un temps, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour faire ça. Hein? Bon, ça c'est une chose. Mm-hmm. Bon, maintenant, on parle d'un budget de combien ? 139 milliards. 139 milliards. La partie italienne. Vraiment, est-ce que nous avons besoin de dépenser 139 milliards dans un pays qui croupit sous le poids de la pauvreté, de l'endettement pour un stade ? C'est un complexe sportif. Oui, ça peut être... C'est pas seulement un oui, stade. Oui, attendez, vous voyez que c'est le... On veut vraiment casser la baraque, là. C'est-à-dire qu'on veut faire le plus beau complexe du monde, c'est ça ? Bon, bref. Je ne sais pas, mais parce qu'il n'y a pas seulement que construire, ouais. Puis après il faudra entretenir. Absolument. Est-ce que nous avons déjà atteint le niveau d'émancipation pour pouvoir gérer l'entretien d'un édifice comme celui-là ? Je voudrais bien me poser la question. Ça, c'est autre chose. Ouais. Bon, maintenant, on le signe maintenant, n'est-ce pas ? Parce que la CAN, c'est en 2019. À quelle période ? Au mois de janvier ou février ? J'ai entendu dans des discussions antérieures, on disait qu'il fallait à peu près 34 à 36 mois pour livrer un stade de cette dimension. Or, là, aujourd'hui, par rapport à la date de la CAN, il nous reste combien de temps ? On est à maxi à 29-30 mois. Donc, vous pensez qu'on sera déjà, on sera à jour? Là, j'ai bien des doutes. Ils ont annoncé les travaux. Hein, oui, on annonce les travaux, j'ai des doutes. J'ai été faite. J'ai des doutes. Parfait. Non, mais sauf que les Italiens ont dit qu'ils livreront ce stade en juin 2018. Donc, ils ont été clairs. Donc, 7 mois, bien avant la Coupe d'Afrique 2019. Moi, je dis... Nous, les Camerounais, nous avons souvent c'est un problème. On a des problèmes sérieux, ça c'est vrai. On reproche au Cameroun de ne pas avoir les stades. C'est infrastructure. Le Cameroun n'a pas des infrastructures fiables. Le pays a déjà participé plusieurs fois dans une Coupe du Monde. Voilà. Le pays n'a pas de stade. Mais une fois qu'on décide d'en construire, ça devient encore un autre problème. Est-ce qu'il fallait qu'on construise un stade à ce coup ? Est-ce qu'il fallait qu'on a eu de la peine à construire ? Non, non. À un moment donné. À un moment donc donné. Vous estimez que... Non, il faut qu'on... Moi, j'ai dit, quand vous voyez c'est les maquettes de ces stades, ouais. Mais c'est quand même un honneur et un plaisir pour nous, les Camerounais, d'avoir ce genre de stade. C'est un plaisir. Il faut qu'on en soit fier et orgueilleux même d'ailleurs, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas ce genre de stade. Si on s'en tient seulement à la maquette. Et c'est tout un complexe. Donc ce sont des complexes. Ce ne sont pas forcément des stades comme celui de Limbé, par exemple, ou bien celui de Pafsa. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de tout un complexe, ouais. Avec des gymnases, avec des piscines. Mais nous devons aussi en être fiers de voir ce genre... Je souhaite que Parfait et moi soyons vivants dans 50 ans. Non, peut-être que nous n'allons pas atteindre 50 ans. Mais on nous dit quand même que le souhait pour moi, c'est plutôt que nous atteignons de juin 2018 pour voir d'abord la fin de ces stades. Une petite parenthèse. En 87, Ndjolea, un compatriote est arrivé ici avec des investisseurs. Pour le professionnalisme. Il voulait construire 10 stades, un par province, comme on appelait à l'époque. Ouais. Ça nous a dépassé. A dit oui. Il dit dire oui. Il a couru partout. Il voulait rencontrer le président de la République pour avoir le OK.
On l'a jonglé, jonglé, on a mis les barrières, on a fait ceci. Ils voulaient construire 10 stades, gérer ça moi et remettre ça au ministère, enfin aux institutions qui gèrent le truc. Ça nous a dépassé à dire oui, 87. Ce qui aussi dépassé Ndjolaya, c'est de faire dire oui à son fils de Poujo pour l'équipe. Non, ça c'est un détail. Le projet est reparti vers l'Afrique de l'Ouest. Le projet est reparti vers l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est pas 87, ça fait bientôt 30 ans. 30 ans plus tard, on a trouvé la formule de dépenser 139, 140 milliards pour faire ça. Je dis bravo. Dans 50 ans, parce que vous êtes deux, je prie pour qu'on soit vivant, on va faire le bilan. Il faut dire que le coût des travaux s'élève au total à 163 milliards. Je dis il faut jamais être pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Non, parce que j'ai l'impression... Je suis réaliste, tu l'as dit. D'ailleurs. Non, oui, il faut être réaliste. Mais en même temps, quand on met un peu de pessimisme dans le réalisme, ça devient un peu inquiétant. Parce que là, vous nous donnez rendez-vous. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas sûr que d'ici 50 ans, mon frère, je suis Camerounais. Je suis d'accord avec vous. Je suis né dans les années d'indépendance. Je suis né avec l'indépendance du Cameroun. Mais je vois évoluer ce pays depuis 60 ans. Oui, mais acceptons quand même. Je vois comment nous gérons les choses. On a du mal à entretenir les édifices. On a du mal, mais qui sait? Les bâtiments officiels, des publics, ne sont pas entretenus. C'est le stade de Sanson. Il y a un début partout. Non, on ne va pas dire non, le début, c'est pas sur le stade. Je vais vous dire, moi, j'ai été très surpris. Je suis allé voir les U17 jouer au stade omnisport de Limbé. Mais j'ai constaté que le stade est très bien entretenu. La pelouse même avait pris une couleur assez particulière. Donc ça veut dire que tout ça vient avec du temps. Il y a du temps partout. Donc nous basons. C'est vrai qu'on veut, il faut toujours rentrer dans le passé. Mais le passé, il faut aller puiser ce qui est bon dans le passé. Mais aujourd'hui, là, il faut comprendre quand même qu'on accepte que c'est des projets. Parfait. Quand les problèmes vont commencer dans ces stades, je vais te ramener. Alors, définitivement, vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet. Allez, avant de passer au scanner, je voudrais quand même avoir votre réaction aussi, Sylvain Kwambi, par rapport à cette scène qu'on a vécue le week-end dernier, lors de la 30e journée du championnat national de football de Ligue 1. Le match opposait ici au stade d'identification de Douala la formation de New Star à Young Sport de Bamenda. Au final, c'était un score de parité de 2 buts partout. On a quand même assisté à une scène quelque peu surréaliste avec, si on peut appeler ça, cette agression pratiquement sur l'arbitre de la rencontre. On aura aussi suivi dans les réactions des deux entraîneurs, le coach Emmanuel Doumbé-Bousso de Yon Sport qui a estimé que l'arbitre a accordé un but marqué hors du temps réglementaire. Jérôme Bimi, pour sa part, qui disait non, c'est pas ça du tout, et que son adversaire voulait juste se dédouaner. Comment est-ce que vous avez vécu ça? On a justement l'image là en ce moment, c'est les joueurs qui s'en prennent carrément aux officiels de la rencontre. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Young Sport commence à devenir coutumier du fait. On a vu lors du match Union Sport à Douala, à la fin du match, pour avoir subi l'injustice, Young Sport allait agresser les habits juste dans les vestiaires. C'est l'Haïti, carrément le maillot. Voilà, donc c'est pas la première fois. Je vous dis, ça, même à Bamenda, ça s'est fait. On a régulièrement vécu des scènes. C'est normal, ça. C'est pourquoi je dis, on a régulièrement vécu des scènes de violence de la part de Young Sport sur les arbitres et même souvent sur des. Et curieusement, la Ligue ne s'est pas encore véritablement exprimé sur ce genre de cas. J'espère qu'avec ces images, enfin, parce que vous vous souvenez, pour le cas de l'Union, moins de 24 heures après qu'on ait constaté que le but était valide, on a sanctionné les arbitres. J'espère au moins que cette fois-ci, que ces images sont en train de faire le tour du monde, on va véritablement prendre le taureau par les cornes pour qu'on ne revive plus des agressions sur les arbitres. C'est-à-dire, l'arbitre d'un match est le seul qui détient le temps. C'est-à-dire, après, on peut dire ce qu'on va dire, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que seul l'arbitre détient le temps d'une rencontre. Tant qu'il n'a pas sifflé la fin du match, vous ne pouvez pas dire qu'il a excédé. Non, c'est lui seul qui détient le temps. Et il,
peut justifier du pourquoi il a prolongé ou écourté le temps. Donc maintenant, après, on reste quand même dans le fair play. Et je pense que Yon Sport manque de plus en plus de fair play. Et il faudrait à un moment qu'on frappe du poing sur la table pour les ramener un peu à l'ordre. Ils ont cette habitude de vouloir mettre en avant ce qu'on ne voudrait plus vivre dans notre pays, ce conflit anglo-francophone. Non, on n'a plus besoin de ça. À chaque fois qu'ils ont l'impression d'être un peu victimisés, ils veulent toujours mettre cela en avant. On n'a plus besoin de ça. C'est le sport, c'est le football. Et pour la petite histoire, les responsables de Yon Sport lors du match Union Yon Sport, après, je les ai rencontrés dans les vestiaires. Et je lui ai dit, j'aurais voulu que vous ayez cette réaction lorsque, à Bamenda, Union a été victime d'une injustice, un pénalty sifflé 4 mètres hors de la surface des réparations. Et là, il n'a su quoi me dire, il est resté tranquille et il est reparti. Donc, les injustices, toutes les équipes en vivent. Ce n'est pas pour autant qu'on va assister à ce type d'image. Et je pense que la Ligue a là l'occasion de frapper du poing sur la table pour qu'on ne revive plus ce genre de scène. Oui, parfait. J'ai l'impression que... Bon, oui, parfait. Et puis, ça, je vais réagir. Que, mais sauf que... Et là, il n'y avait même pas d'injustice. Parce qu'il faut être sérieux et clair. Et il faut même être logique. Voilà, il n'y avait pas d'injustice. Il n'y avait même pas d'injustice. Il n'y avait pas d'injustice. 25e minute, Yon Sport ouvre la marque sur pénalty. Il n'y a pas de problème. 29e minute, Yon Sport marque le deuxième but. Il n'y a vraiment pas de problème. 46e minute, Ngomben Benga de New Star réduit la marque. Les deux équipes vont à la pause. On joue la deuxième manche, on monte le temps additionnel. Il faut jouer 4 minutes de temps additionnel. À ce moment, nous sommes déjà descendus, comme d'habitude, au bout de la main courante. Sur la presse. Et pendant qu'on joue les arrêts de jeu, un joueur de Yon Sport Academy touche le ballon de la main. Ça donne un coup franc. Entre-temps, il y a des petits disputes par rapport au ballon. Le ballon avec lequel on doit jouer, on le met à côté, on refait entrer un autre ballon. L'arbitre de cet accord, Abdourahmane Rabiou, remet ce ballon hors de l'œil et prend un autre ballon pour mettre à ce niveau-là. Donc le code de Mamboso lui pose la question de savoir que non, c'est pas normal, pourquoi vous avez changé de ballon? Et il lui dit que non, les ballons sont homologués. Donc tous ces ballons sont homologués, on peut les jouer à temps et à contre-temps, il n'y a pas de problème. Donc, et puis, on libère le stade et je vous assure que une belle feuille morte de Sangessia. C'est Sangessia qui cloue au pilori le pauvre portier Mbem. Vous avez vu, vous pouvez voir même sur l'image, qui n'a pas pu, n'est-ce pas, se saisir de ce ballon parce que le coup franc était magistralement bien tiré. Voilà, mais moi, je comprends un peu la colère. Parce que jusqu'à la 93e minute, Yon Star avait la victoire. Et vous voyez, à la fin, pendant qu'on joue les arrêts, parce que lui seul a posé pratiquement deux problèmes. Il dit, un, on a joué 52 minutes, je ne sais pas. Lui, il avait son chrono, et comme Sylvain le disait, il avait joué 52 minutes. Bon, nous aussi, on avait le nôtre, où on jouait, on était encore dans le temps normal des arrêts de jeu. L'arbitre, lui seul, avait son chrono au officiel. Moi, je pense certainement qu'à ce niveau-là, Yon Star s'est un peu fâché. Yon Sport s'est un peu fâché parce qu'ils ont raté une occasion de prendre les 3 points de face à Yon Star. Alors, ils s'en sont appris à Abdourahmane Rabiou, à tort, qui a pourtant fait un très bon match. Donc il faut qu'on soit on soit vraiment sérieux. Donc et je vous assure, pour une fois les spectateurs étaient même surpris. Ils se posaient la question de savoir qu'est-ce qui prend Mabousso, parce que personne n'a vu une faute, personne n'a vu une injustice. Donc il fallait qu'on apporte on essaie d'apporter cette précision. D'accord. Donc il est libre de se plaindre, mais c'est à tort qu'il se plaint. D'accord, Serge, réaction par rapport à ces images scandaleuses. C'est vrai. Moi, ma réaction, c'est plusieurs volets. Hein. Je ne sais pas comment, par quel bout je vais commencer. Mais déjà, bon, il faut déjà dire qu'il faudrait
que dans le domaine du sport et dans le football en particulier, que nous aimons tous, que les gens soient fair play. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. Moi aussi, j'ai un problème avec l'arbitrage. Ça fait quand même beaucoup. Sylvain l'a dit tout à l'heure. Magloire venait aussi de le dire. Il y a toujours des petits problèmes d'arbitrage, ça et là, lors des rencontres de nos différents championnats. Et j'ai l'impression que, à la limite, il faudrait bien qu'on se pose des questions sur la manière dont ces arbitres-là sont formés. Est-ce qu'ils ont le niveau intellectuel requis? Est-ce qu'ils ont la suffisance même requise? Et même, est-ce qu'ils ont la capacité même de gérer certains matchs, comme ces matchs de fin de championnat? Parce que, à mon avis, New Star n'a pratiquement pas de... Ils sont septième, je crois. C'est peut-être Young Sport qui se bat dans le bas du classement, qui voudrait certainement... Qui est troisième en plus. Voilà, ils sont même dans le top 3, excusez-moi. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils voudront s'en prendre à l'arbitre alors qu'en fait, le match se jouait sur le terrain. Et l'analyse que je fais, elle est un peu plus profonde. J'ai suivi Sylvain tout à l'heure, j'ai également suivi Magloire, en disant que New Star prend le premier but à la 45e minute. À la 25e. À la 25e. Non, non. Je veux Young Sport prend son premier but à la 46e minute. Quand nous sommes à la mi-temps. Ils prennent le deuxième à la fin du match. Et contre l'Union du Nord, ils vont également pris à la fin du match. Donc, Doumbé Bosso devrait beaucoup plus axer son travail sur la concentration de ses joueurs en cette période-là qui peut être difficile à gérer pour son équipe. Parce que c'est quand même récurrent qu'à chaque fois, que c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il lâche. Donc, au lieu de travailler dans des centres d'entraînement, il revient à faire des choses comme ce qu'on est en train de voir en ce moment. Bon, et je parlais de quelque chose. Je n'ai pas fini, Lydie. Nos arbitres, par exemple, il y a la rémunération. Moi, j'ai vu, je ne vais pas citer le nom, j'ai vu un match international, un arbitre camerounais de Ligue 1 vendre des canettes au stade. Abbé Panda, je ne vais pas citer le nom. Je dis vendre des canettes. Est-ce qu'ils sont bien rémunérés? J'ai vu des choses, certainement que Magloire connaît ou bien Sylvain. Il y a un arbitre, là, je vais citer le nom, forcément. Il s'appelait Mwanjo Kala, chauffeur à l'assaut des cotons. Chauffeur peut-être dit à Mohamed et être l'arbitre international. Comment est-ce que vous voulez qu'un chauffeur, s'il dirige le match de coton, que coton ne perde pas? Où est-ce qu'on va trouver l'impartialité en ce moment? Donc, il y a tout un tas de trucs. Pendant qu'on sait qu'en Égypte, par exemple, on a des arbitres qui sont directeurs de banque. Donc, ces problèmes ne sont pas récurrents là-bas, comme chez nous. Donc, il faut vraiment essayer de restructurer ce problème d'arbitrage à la base. Et avoir des voilà. Et récemment, on était ici, on accusait, je crois, le rapporteur Babord du choix des arbitres qu'on a mis à l'écart. Aujourd'hui, donc, qui accuseront-on? Le secrétaire général ou alors je ne sais pas moi qui. Voilà. Donc, allez, avant de terminer. Et puis on nous a aussi dit qu'il y a même une commission qui a été mise sur pied par le général Semenge, un commissaire de police qui n'a peut-être pas encore rendu sa copie. Le résultat de l'enquête. De l'enquête. Yves? Oui, je pense qu'après les interventions des uns et des autres, on est ramené à une seule question. C'est que il y a un problème, c'est l'éducation. L'éducation, la mentalité de tous ceux qui participent à la chose sportive dans le football. C'est-à-dire, Sylvain a parlé de fair play. Le fair play, là, je crois que c'est une valeur que la FIFA essaie de promouvoir un peu partout dans le monde. Il faut être fair play. À partir du moment où on sera fair play, on aura plus. Bon, l'arbitre, c'est un homme. On ne peut pas quand même arriver à un moment donné où on va mettre un ordinateur au stade pour pouvoir arbitrer des matchs. C'est un humain. Il peut se tromper, tout le monde se trompe. Qui parmi nous n'a jamais fait une erreur? Donc, même si l'arbitre s'est trompé, est-ce que c'est l'occasion d'aller le bousculer? J'ai dit non. Maintenant, ceux qui ont essayé de bousculer l'arbitre, ils méritent d'être sanctionnés. Point très. Il faut sanctionner. Non, ça c'est clair. D'accord. En tout cas, il faut qu'on sanctionne durement pour que ça ne se répète plus. Voilà. On verra bien la réaction de la Ligue de football professionnel. Sylvain faisait bien de faire remarquer justement que jusqu'à présent, face à des telles situations. Pas de réaction au niveau de la LFP. La réaction de la Ligue est véritablement attendue sur ce coup, parce que sinon un jour on va assister à peut-être pire que ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que l'appétit venant souvent en mangeant, quand on va laisser, ça va s'accentuer et malheureusement on peut assister à des scènes beaucoup plus graves que ça. Donc effectivement un faux problème, parce que je me souviens qu'à un moment donné il y a une équipe du Sud-Ouest qui avait été champion du Cameroun. Dans une dispute. Voilà. Donc c'est des faux problèmes. Si aujourd'hui on nous dit que il y a des équipes
Et ils ne sont jamais champions parce qu'on est de l'autre côté. Non, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'était Tiro United, je crois. On va refermer cette première partie de l'émission. Et tout de suite, on passe au scanner. Depuis après-midi, Matt Mwaha, qu'on connaît davantage sous le nom de Dinali, n'est donc plus la présidente du conseil d'administration de Dynamo Football Club de Douala. Elle a démissionné de ses fonctions et reproche pas mal de choses au comité des sages et ainsi qu'aux élites Bassa. Sur les raisons de sa démission, on va justement l'écouter puisque nous sommes allés la rencontrer quelques heures seulement après sa démission. On écoute. Je confirme que j'ai démissionné de mon poste de présidente générale de la Dynamo Club de Douala. Oh, j'ai démissionné parce que il y a eu une succession d'événements qui ont lieu et le dernier événement pour moi c'est un événement de trop. Pour faire simple, on m'a donné Dynamo il y a 6 ans. Les promesses qui m'ont été données cette année-là, elles n'ont pas été tenues. Je me suis retrouvée en train de gérer Dynamo pratiquement seule. Dynamo est une équipe de canton, Bassam, Pau, Bati. Dynamo n'est pas une équipe de Dinali, donc on ne peut pas me donner une telle charge. Et on me demande de rendre compte. C'est pas possible. Quand j'ai pris Dynamo, il n'a jamais été question que je gère Dynamo seul. Quand cela me tienne, je l'ai fait par amour. En régional, c'était un peu plus simple parce que tout le championnat se passait dans le littoral. Et j'ai monté Dynamo en Ligue 2 professionnelle, c'est-à-dire que Dynamo est devenu national. Tous mes matchs ne se jouaient plus à Douala. Donc, je me déplaçais à Yaoundé, Bafoussam, Gaoundéré, Garoua, Bamenda et autres. Ce n'est plus 12 millions, c'est près de 30 millions par an. Quand la Ligue professionnelle vous en donne seulement 8, il faut que j'aille chercher le reste. J'ai tenu 2 ans, ça c'est la troisième année en ligue professionnelle, c'est une année de trop. Non seulement ils ne respectent pas les engagements, c'est-à-dire m'accompagner sur le plan financier, j'ai parlé de et le comité des sages et les élites. En plus de ça, il y a des événements malheureux qui ont eu lieu l'année dernière, tout le monde le sait, Dynamo a perdu des joueurs, je me suis retrouvée toute seule. Face aux familles, il n'y avait personne. Pas de comité de sages, ni le président, ni la suite. J'étais toute seule. La Ligue a donné 300 000 francs par famille. Je me retrouve en train de payer les cercueils des enfants. Non, non, non. Avant Dynamo, j'avais pas payé les cercueils des enfants. Hein. Tranquille. C'est quelque chose de très lourd à mon âge. J'ai besoin que les gens qui m'ont donné Dynamo me soutiennent parce que c'est quelque chose de très compliqué. Je ne sais pas ce que c'est. C'est nouveau pour moi, ce genre de choses. Il n'y avait personne. Cette année, je rends grâce à Dieu parce qu'on est passé à côté. Il a failli avoir au moins 10 morts. Mais Dieu a eu tellement pitié de moi. Il a eu tellement pitié de moi. Je ne sais pas comment j'aurais fait pour respirer. S'il y avait des morts dans cet accident, je ne sais pas comment j'ai fait pour respirer. À savoir que les enfants des autres sont morts et moi je respire. C'est trop compliqué. Là encore, il n'y avait pas ni le président du comité des sages, ni les vice-présidents, ni les... Non, 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 non. Ce n'est pas humain.
On ne fait pas ce genre de choses. Moi aussi, j'ai un enfant, j'ai une fille de 25 ans. Je peux imaginer la douleur des autres. Et même si les gens ne peuvent pas revenir, nous sommes là pour les accompagner parce que tout le monde meurt, tout le monde part. Chacun son heure, son jour et sa manière. Ça, c'est un fait. Moi, je ne peux pas être à la tête d'une équipe qui se comporte comme telle. Une équipe de canton avec les élites, comme ça, je ne peux pas. Je ne peux pas, je vais pas porter ça sur ma tête. Je refuse. J'ai parlé dans les médias. Il n'y a pas eu de réaction. Je suis allée vers eux. Je leur ai dit, si vous ne faites rien, je vais lâcher. Ils n'ont rien fait. Eh bien, j'ai lâché définitivement. Aujourd'hui, je laisse Dynamo avec 32 points à 8 points du premier relégable. Il y a encore 7 matchs à jouer. Ça veut dire que Dynamo est bien. Dynamo a tout pour se maintenir en Ligue 2. Si le peuple aime, si les gens qui m'ont donné Dynamo aiment Dynamo, ils vont prendre le relais, il n'y aura pas de souci. Mais moi, je m'arrête. Voilà, pour sur les raisons qui ont amené Dinali à quitter la présidence de Dynamo Football Club de Douala. Parfait Magloire Sang, je voudrais d'abord avoir votre avis sur cette démission-là. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Bon, c'est vrai que personnellement, je ne m'attendais pas à ce, je ne pensais pas à cela. Mais comme tout le monde, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce qu'il faut que je vous le dise. C'est elle-même qui a entravé cette décision parce que hier encore, j'étais invité à l'émission de sport de Moïse Ball. C'est elle qui a entravé. Sur RTM Radio, voilà. Ici à Douala. Ici à Douala, c'est elle-même qui a entravé avec sa décision en main. Elle a remis le document à Moïse Ball. Jusque-là, personne de nous imaginait un seul instant qu'il s'agissait de la décision. Quand bien même Moïse Ball a commencé à lire cette décision, on pensait à autre chose. On ne pensait pas à un seul instant qu'il s'agissait de la démission de Dinali. Bon, mais après, nous avons suivi cette démission, nous avons suivi les raisons de la démission, et j'ai dit personnellement que c'était à... Elle aurait dû démissionner depuis. Elle aurait fait cela depuis, parce que depuis un bon bout de temps, nous avons constaté qu'elle se battait seule. Moi, je vous dis ce qui est vrai. Elle se battait seule. Et seule, elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle ne pouvait pas s'en sortir. La Ligue 2, ce n'est pas la Ligue départementale ou la Ligue régionale où vous allez jouer à Douala, vous faites un petit voyage à aider à vous revenir. Non, il faut faire le tour du Cameroun. Et pour faire le tour du Cameroun, il faut avoir les moyens. Moi, j'attendais qu'elle démissionne depuis. Depuis, bon, mais elle a peut-être par amour pour le football ou alors par passion pour ce football, elle a préféré rester là. Bon, mais à un moment donné, il faut quand même prendre certaines décisions. Parce que gérer la Dynamo, c'est pas facile. Gérer la Dynamo, franchement, je vous le dis, Didi, ce n'est pas facile. Il faut avoir du cœur. Parce que c'est une équipe assez difficile, comme toutes les équipes du canton. C'est pas facile. Mais elle a été courageuse de gérer cette équipe pendant 6 ans. 6 ans qu'elle est à la tête de la Dynamo. Elle a pris la Dynamo à la Ligue régionale pour faire monter à Ligue 2. À Ligue 2. Je crois quand même qu'elle a travaillé dans cette équipe. Mais nous autres, nous limitons sur les raisons de sa démission. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas eu le soutien des membres du comité de sages. Bon, moi, je peux peut-être l'affirmer. On pourra me contredire, mais chaque fois que nous autres, nous sommes allés voir les matchs de la Dynamo, je doute fort que j'ai vu ces membres du comité venir soutenir la Dynamo sportive. J'ai dit, je peux me tromper, mais je doute fort. Je doute fort, parce qu'aujourd'hui encore, Dynamo jouait. Et malgré sa démission, elle a fait quand même les efforts pour que la Dynamo n'attrape pas un forfait aujourd'hui. Elle a fait des efforts. Parce que c'est elle qui a donné quelques moyens. C'est-à-dire que le relais n'est pas... Oui, c'est pas ça. Non, c'est pas... Et c'est difficile. Parce qu'il fallait gérer cela. Et j'étais au stade. J'ai vu la Dynamo jouer. La Dynamo a besoin d'un soutien. Les joueurs de la Dynamo ne sont pas pires.
ça je peux déjà vous dire. Ils ne sont pas pires, ils ne sont pas très excellents aussi. Mais c'est des garçons qui peuvent faire l'affaire s'ils ont un bon suivi et un bon encadrement. C'est ce qui manque à cette équipe de la Diamant Sportive de Douala. Aujourd'hui, il n'y avait personne. Il y avait Mickey, le DS qui était là, il y avait Malabo qui était là, mais on n'a vu personne. On n'a vu personne, c'était comme des enfants abandonnés. On aurait pensé un seul instant qu'une fois la démission annoncée, qu'il y ait rapidement un relais pour remettre, mais malheureusement, il a fallu encore que c'est cette pauvre dame qui vient au chevet de ces joueurs en envoyant des petits moyens pour payer le transport et que les gens rentrent. Bon, et en sortant du stade, j'ai quand même eu cette information que les membres de ce comité de sages ont demandé à rencontrer l'équipe en place. Donc, Mickey et Malablo DS, il était question d'aller chez le patriarche Hervé Emmanuel Nkom pour voir comment est-ce que désormais on va essayer de foncer. Alors, Yves Nord, réaction aussi par rapport à cette émission de Dinali. Il vient de parler d'Hervé Nkom qui a estimé que c'est une bonne chose pour Dynamo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, avant de dire si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, moi j'ai dit, gérer une équipe de football, ça fait partie de gérer une équipe de football, c'est comme toute activité humaine, normale. Donc, avant d'y parvenir, il faut se demander si on a des capacités. Parce que pour être président d'une équipe, il faut d'abord se demander quels sont les moyens dont vous, l'individu président, dispose. Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir prévoir que vous allez vous retrouver seul. Vous allez pouvoir vous retrouver seul. Dynamo, ce n'est pas une équipe qui est née aujourd'hui. On a vu à l'époque le père Mbousse, il tenait Dynamo seul. Moi, j'ai assisté à des réunions de Dynamo où on disait aux gens de mettre l'argent sur la table, tu entends, me gwebe. C'est-à-dire que le vieux mettait la main dans sa poche, il gérait. Dynamo l'a ruiné. Alors, vous, une entreprise comme celle-là, une équipe comme celle-là, on vous la propose. Vous aussi, vous venez là peut-être parce que vous voulez vous faire un nom. Enfin, je ne dis pas que c'est exactement ça, mais on la connaissait dans un autre domaine. Si elle a accepté, c'est que quelque part, elle avait aussi une idée, elle voulait profiter du cercle de quelque chose. Elle ne va pas nous dire que les 6 ans qu'elle a passés là ne lui ont rien rapporté. Hein. Elle s'est fait un nom dans le milieu du foot. Hein. Et ça, c'est grâce à Dynamo. Donc, faut pas qu'elle crache dessus maintenant comme si c'est que... Est-ce que c'est pas une lecture un peu simpliste? Non, moi, je suis réaliste. Sauf que Yves, elle n'a pas craché. Vous êtes très réaliste. Non, je suis réaliste. Je dis les choses comme je le... Elle a dit qu'elle n'a pas le soutien de ceux-là qui lui ont demandé de prendre l'équipe. Va devant, nous allons t'accompagner. D'accord. Donc, il n'y a plus ce soutien. Bon, quelles sont les actions qu'elle a posées au départ quand on lui a proposé la présidence de l'équipe? C'est par là que ça commence. On ne te donne pas une équipe. Est-ce qu'elle a rendu compte au fur et à mesure sans que tu aies des garanties? Il y a des garanties avant de prendre en charge. C'est un peu comme si, Makeda, vous n'avez pas un permis de conduire. Serge vient, il vous lance les clés d'une voiture, il vous dit allez-y. Mais tu ne cherches pas à savoir s'il a mis de l'essence, s'il a mis ceci, si la courroie donne bien. Parce qu'arrivé à Micelele, la courroie se coupe. Vous êtes seul à bord du véhicule, vous faites quoi? Vous commencez à crier que Serge vous a lâché. Donc vous estimez qu'elle aurait dû poser des conditions dès le départ avant bien de s'engager. Bien sûr, en adulte. On accepte. Si c'est un cadeau empoisonné, vous faites quoi? Il y a tout ça. Sylvain, réaction rapidement avant la page publicitaire. Ah, je suis un peu surpris quand j'entends ce qui se dit sur ce plateau dans le sens de remettre en cause la bravoure de cette dame qui a accepté vraiment de se lancer dans cette aventure. Il faut quand même dire que le travail qu'elle a battu dans la Dynamo est remarquable. 13 ans dans l'abîme. Elle réussit à redonner envie, elle réussit à redonner un nom, elle réussit à redonner une certaine identité à une équipe aussi mythique que celle de la Dynamo de Club de Douala. Je pense qu'on devrait applaudir pour une femme, la toute première au Cameroun, qui a réussi à faire ça. Je pense que c'est quand même à féliciter. La deuxième chose, c'est que, je m'excuse,
les motivations qu'elle donne pour laisser la Dynamo devraient nous interroger sur le pourquoi est-ce qu'elle n'a pas reçu ce soutien, sauf qu'il se trouve qu'elle est victime de ce qu'on lui reproche, le fait d'avoir agi pour les intérêts du club, parce que tout cela remonte dans des batailles qui se sont déroulées pendant la période électoraliste. Et on sait que dans le comité des sages, entre le président et le vice-président, c'est le désamour total. En l'occurrence, M. Hervé Emmanuel Combe et M. Pierre Batamat. Voilà. Et on sait toute la bataille. Mais malheureusement, elle n'a pas agi pour les intérêts égoïstes. Elle a agi pour les intérêts du club. Et c'est ce qu'on lui reproche pour ne pas soutenir ce club. C'est aussi simple que ça. La preuve, beaucoup de clubs qui ont été pris pour des raisons électoralistes, où sont ces clubs aujourd'hui? Je prends un exemple, Banjoun FC, aujourd'hui est où? Ça n'existe plus. Donc, elle a refusé cela, qu'on se serve des Dynamo pour atteindre des intérêts égoïstes, et elle a agi pour l'intérêt du club. C'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Donc, que le combi. Et aujourd'hui, il n'est pas question de venir dire on avait donné. C'est de démontrer que voici effectivement ce qu'on a apporté pour le développement du club. Sauf qu'il n'y a eu rien. Tout à l'heure, l'autre jour, quand il y a eu l'accident, moi, je me suis rendu à l'hôpital. Je vous assure, je suis tombé des nues. Cette dame qui peut aussi rester un dimanche chez elle s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants. Mm-hmm. Elle était là toute la journée, en larmes. Elle se battait à passer des coups de fil à gauche pour essayer d'apporter l'assistance à ses joueurs qui étaient pratiquement sur le plan de la mort. Et vous pensez que c'est comme ça qu'on doit, au lieu d'apprécier, c'est des insultes, c'est des invectives, c'est monté, c'est descendu. Non, à un moment, il faut qu'on arrête. Si on veut aider le football, il faut qu'on se mette ensemble. Que de se comporter lorsque les intérêts égoïstes ne passent pas, on commence à trouver d'autres. Et puis, c'est curieux quand même qu'un président de comité de sages se réjouisse de la démission de son président. Comme si, donc ça veut dire qu'il y a eu des tractations même qui étaient déjà faites pour la débarquer de là. Peut-être Dieu lui a fait des révélations et par coup de baptême, elle a déposé sa démission. Non, regardez à quel niveau notre football est relégué pour des personnes qui donnent des leçons, qui veulent se présenter comme des modèles de gestion. C'est pas comme ça qu'on fait on fait les choses. Encore, pour des hommes, faire cela à une dame, il manque un peu de galanterie. C'était quand même la seule présidente des clubs. Oui, on lui dit elle a bénéficié. Est-ce que Madame Dinali a besoin de la Dynamo? Est-ce que Madame Dinali a besoin de la Dynamo pour se faire un nom? Quand on gère un média au Cameroun, on sait sur les portes que un média peut nous ouvrir. Avant la gestion du média, c'est une artiste. Elle a quand même représenté le Cameroun au Cora. Peut-être les gens ne le savent pas. Ouais. Elle a représenté le Cameroun au Cora, qui est une compétition internationale pour ce qui est des artistes. On n'est pas sûr qu'elle ne s'est pas quand même servi aussi un tout petit peu de la Dynamo pour certaines Pourquoi choses. Pourquoi qu'on nous dise concrètement non, pour certaines choses. Elle s'est lancée peut-être dans des batailles à la Ligue. Je ne sais pas. Non, le plus moment. Et accroître ma productivité, cela exige de la concentration et de l'énergie. Je suis un bosseur, mais j'avais du mal à relever mes challenges. Jusqu'au jour où j'ai découvert les griffes Scarface. Depuis, plus rien ne m'arrête. Je suis devenu maître de ma vie. Mes amis vous le confirmeront. Scarface, c'est le seul pouvoir qui se partage. Yeah. Exigez Scarface, partagez et imposez vos marques. Scarface, à vous le pouvoir. Pause publicitaire oblige donc, et on en profite justement pour, vous avez sans doute remarqué, ce nouveau modèle de Scarface. On vous le présente en exclusivité ce soir. C'est notre partenaire, comme d'habitude. Et sans transition, je pense qu'on va passer tout simplement à la troisième et dernière partie de cette émission consacrée au débat. Je vous le disais en introduction de cette émission, les championnats européens
reprennent peu à peu droit de cité. Le week-end dernier, c'était la France et l'Angleterre. Et ça va également suivre avec l'Espagne, l'Italie, la Bundesliga. Une constante qu'on a observée, c'est que une fois de plus, il y a les joueurs camerounais au niveau des grands clubs européens se font rares. Comment comprendre cette situation? Voilà pour la thématique de ce débat. Alors, je commence par vous, Serge Zambo. Quelle analyse, justement, est-ce que vous faites? Là, c'est le mercato. C'est vrai, la saison dernière, on avait décrié ce fait-là, que les joueurs camerounais sont absents des grands clubs européens. Et cette saison, encore, on constate que ça n'a pas beaucoup changé. Oui, effectivement, ça n'a pas beaucoup changé. Bon, c'est vrai quand même qu'il y a quelques-uns, ou du moins un, qui s'estipe un tout petit peu de l'eau, c'est Joël Matip qui est de Schalke pour Liverpool. Mm-hmm. Bon, moi, je crois que c'est lié aux résultats de nos différentes équipes nationales. C'est-à-dire que les Lions, à un moment donné, faisaient courir. Et à partir du moment où nous avions des bons résultats, c'est effectivement, en ce moment, les grands clubs, les clubs de renom, essayaient aussi de venir cuver chez nous un tout petit peu. Figurez-vous que la dernière CAN que nous avons remportée, elle date de 2002, si je ne m'abuse. Nous en avons raté celle qui était co-organisée par la Guinée équatoriale et le Gabon tout à côté. Et les deux participations aux différentes Coupes du Monde ont été tout aussi pitoyables, que comme vous le sachiez également, parce qu'en Afrique du Sud, c'est une débâcle. Au Brésil, c'est toute une autre débâcle aussi. Et puis nous avons beaucoup plus brillé, nous, beaucoup plus dans les faits divers au sein de nos équipes nationales, au lieu de faire valoriser notre football. Mmh. Et c'est normal, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avions une génération qui est vieillissante, c'est-à-dire la génération Eto'o et autres, elle est vieillissante. Bon, maintenant, on n'a pas su, avec notre jeunesse, pu redorer le blason du football camerounais, comme on le voyait d'antan. Malheureusement, pour nous, ce sont pour moi là les deux facteurs. La dernière fois que nous gagnons derrière un tournoi des jeunes, peut-être que Magloire le disait tout à l'heure avec le match de Limbé où le Cameroun avait battu le Kenya, je crois, 7-0. Les U17 pourront peut-être nous refaire vivre certaines sensations. C'était en 2003 avec les Alexandre et autres. Bon, mais depuis 2003 à aujourd'hui, ça fait quand même 13 ans que nous n'avons plus rien gagné avec les sélections jeunes. Donc pour moi, le fait est là. Et il y a également ce que je peux appeler les lobbying dans notre foot. Nous évoquions ça tout à l'heure en off. Parce que lorsque j'ai reçu un message là dans mon téléphone, ça c'était en le 8760, si quelqu'un est abonné MTN, sans publicité d'ailleurs, où on nous dit que Kalan Kongo aurait apporté plainte à Stéphane Bia. À Stéphane Bia. Ouais. Parce que lorsque Stéphane Bia part de Trabzon Sport pour une équipe chinoise. Il y a eu des commissions. Mmh. Mais quand si tu vois Kala au stade Omnisport à Bepanda, tu demandes qu'il est quoi? Il ne te dira jamais qu'il est agent de joueur. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris qu'il soit agent de joueur et qu'il réclame 1 milliard de francs CFA à Kala. Le commission à Ambia. Donc, il y a toute une cacophonie qui se passe. Les agents de joueurs en Europe, le contrat est bel et bien ficelé. Donc, tu sais ce que tu signes, tu sais ce que tu as. Et à la fin, tu vois exactement ce qui est de toi. Bon, il y a aussi une information, peut-être erronée, parce que là, nous avons Sylvain qui est là. Il se peut aussi qu'ils viennent de vendre avec beaucoup de publicité, j'étais au stade, le grand joueur Mohamed Djité Camara, voilà, qu'on a lancé d'abord, je crois, au FC Barcelone, après qui s'est retrouvé, je crois, à Tarragone, Gymnastique Tarragone, quelque chose comme ça, et qui serait revenu au Cameroun. Bon, on m'a dit aujourd'hui que c'est pour un problème de passeport. D'accord. Des visas, long séjour. Bon, mais il se peut aussi qu'on nous ait dit que Lyon, international, je ne suis pas très d'accord avec ça. International, son ancien club aurait demandé un pourcentage un peu, un genre, et que l'Union, ils veulent la part lyonnaise, comme on dit, la part du Lyon, c'est ce qu'on dit en droit. Donc, il y a toute une cacophonie qui se passe autour de nos jeunes joueurs, des agents véreux qui sont tout autour, et même nos dirigeants. Parce que je l'ai toujours dit, et je le dis encore une fois, je l'ai dit à Maître Sikati ici, qu'il suffit qu'un enfant fasse deux tours de stade, qu'il dribble deux ou trois personnes, qu'on applaudisse, et puis qu'on le vende. Il est parti. Et il est parti. Pour quel résultat? Ce garçon va jouer à Gymnastique. Moi, je souhaite beaucoup de bonnes choses à Djété Camara, hein, je souhaite bien qu'il évolue. Ben,
Je ne sais pas. Si ce garçon jouera à gymnastique, un an, deux ans après, il sera en Chine, après il va se retrouver en Slovénie. Et puis qui ira chercher un jour en Slovénie? Je ne vois pas qui ira chercher un jour en Slovénie. Bon, maintenant, parlons un peu peut-être de ceux en qui on croyait d'une façon ou d'une autre, qui ne progressent pas. Prenons le cas d'Aboubacar Vincent qui est parti au FC Porto. Il est annoncé soit en Chine ou peut-être vers un retour à Rennes. Et à Rennes, pourquoi? Parce que Christian Gourcuff aurait pris les Rennes, tout revenant étant parti à l'AS Saint-Etienne. Donc, forcément, je dis le football camerounais, au niveau de nos professionnels, est à la dérive. Il faudrait bien qu'on revienne à la base pour essayer de bien le structurer, comme le disait Sam tout à l'heure, bien le structurer, mettre les moyens et faire en sorte que, avec les infrastructures, parce que je vais revenir sur les infrastructures, on a de bons stades, les garçons ne voudront plus aller, s'il y a tout ici. D'accord, voilà. Alors Sylvain, vous avez été interpellé par Serge, hein, par rapport à ce transfert de JT Camara pour ta grande sœur, également que sur les réseaux sociaux, on a tout entendu. Hein, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Ce qu'on doit retenir, c'est que Mohamed Diété a été transféré au FC Tarragone, au Gymnastique Tarragone. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ça, donc maintenant, toutes les supputations, vous savez, on semble être beaucoup plus passé en l'art de l'invective, c'est-à-dire les gens, à la limite, on a même l'impression qu'on souhaite les échecs parce que ça donne du grain à moudre. Donc, mais c'est malheureux pour notre pays. Un jeune comme Mohamed Diété, qui réalise quand même quelque chose qu'on n'a plus jamais vu dans notre pays depuis plusieurs années, partir du championnat régional pour se retrouver aujourd'hui en Europe centrale, ce qui n'a plus... On n'a plus connu ça dans notre pays. On n'a plus connu ça depuis longtemps en Europe centrale, parce qu'il faut bien s'y conscrire. Les Bédimons... Vous avez vu la trajectoire et ils ne sont pas... Il est à l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Hein. Oui, non. Je ne dis pas que j'ai dit... On parle de notre championnat. On ne parle pas d'autres joueurs. On parle bien de notre championnat. Ils sont pas nés en France. Et j'ai dit, depuis un bon bout, on n'avait plus vu ce type de transfert. Celui qui avait vu me le demande simplement. Si je me limite à ces 5 dernières années, on n'avait plus vu ça. Donc, Mohamed Diété est revenu au Cameroun exclusivement pour un problème de visa long séjour. Et il vient à peine de reprendre son rôle. Donc, demain, il reprend les entraînements avec Gymnastique Tarragone. Donc, tout à l'heure, on était à l'aéroport pour... Il a occupé son visa hier et il est reparti donc tout à l'heure par l'aéroport international de Douala. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va vouloir débattre dessus. Entre les clubs amateurs et les clubs professionnels, lorsque un joueur est transféré, toutes les clauses se font au moment de cela. Donc, mais d'où vient-il qu'il y ait souvent des petites choses qui... Oui, mais les gens cherchent de quoi dire et ils balancent des informations. Sauf que personne ne s'est rapproché ni du président de l'international, ni du président de l'Union pour savoir exactement ce qu'il en est. Donc les gens restent, ils créent des choses dans leur esprit. Ce que je voulais dire, ça comme ça, parce que vous faites partir l'enfant avec un visa court séjour pour revenir prendre un visa long séjour. Or, alors que vous aurez pu faire ça pour qu'il parte définitivement. C'est vous qui donnez. Vous voulez des réponses, non? Non, attendez, je n'ai pas fini. Vous voulez des réponses? Vous voulez discuter? Je ne veux pas discuter. Je veux dire que c'est si. Si vous voulez des réponses, vous laissons vous donner des réponses. Parce qu'après, on n'aura pas le temps. Attendez. C'est vous qui plaitez justement le flanc à ces gens qui en veulent, qui parlent, qui disent n'importe quoi. Non, il y a un gros si vous ficelez tout normalement, les visas tout normalement, le petit s'en va et il s'en va se battre. C'est-à-dire que le contrat a été mal ficelé. Oui, le visa, forcément. Le gars a déjà signé. Comment est-ce que vous pouvez attribuer un visa court séjour à un petit qui s'en va se battre alors que vous savez qu'il ne peut pas, il va pour longtemps. Et vous lui donnez d'abord un visa court séjour. Comment ça se passe? Ce n'est pas l'Union de Douala qui donne les visas. C'est qui donne? Pourquoi vous l'avez eu donc maintenant cette fois? Si c'est qui donne. C'est pourquoi je demande, si vous voulez des réponses, on veut vous poser des questions. Et c'est justement ça le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on conclut vite et on ne veut même pas chercher les raisons. Si vous voulez donc qu'on vous donne les raisons. Il y a toujours des raisons.
je pense qu'il est préférable que... Il s'est déjà fait son idée. Et peut-être que ça aurait été bénéfique pour les téléspectateurs, mais apparemment, on a une raison pour laquelle on dort. Alors, allez-y rapidement. Ok. Pour la gouverne de vos téléspectateurs, le problème est simple. Mohamed Diété est pisté par le FC Barcelone pour des tests. Lorsqu'il se retrouve en France pour le match France-Cameroun, il y a FC Tarragone également qui était intéressé et qui avait commencé à faire des propositions. Sauf que lorsqu'il se retrouve en France, Tarragone agit beaucoup plus vite que tous ceux qui se positionnaient. Tous ceux qui se positionnaient, et là, ils font une offre qui est au goût du club. Combien? Et on ne va pas rentrer dans ces détails. On ne va pas rentrer dans ces détails. On sait tous à combien Paul Pogba a été transféré. C'est ça justement. Qui a donné l'information? Qui a donné l'information à Paul Pogba? Allez demander à qui de droit, on va vous donner l'information. C'est justement ça le problème. C'est pourquoi qui de droit ne donne pas l'information? Non, pourquoi vous avez posé la question? Est-ce que vous lui avez posé la question? Attends, on nous a dit. Sylvain n'a pas été mandaté. On nous a présenté Sylvain ici comme étant le. Il est le com. Alors, le com, tiens-nous ces informations. C'est des choses qu'on devait rendre forcément publiques lorsqu'il s'agit d'un transfert. Gymnastique Tarragone peut aussi communiquer dessus. Pourquoi Gymnastique Tarragone? Attendez donc le président. Attendez, il y aura une communication. Pourquoi vous voulez être pressé? Il y aura une communication. Il y aura une communication là-dessus. Sauf que le petit sera parti. Ça ne change pas. Je voulais expliquer les conditions du départ des DT, mais apparemment, ça ne l'intéresse pas. Il s'est fait une idée du quartier. Il préfère rester avec nous. Non, non, parce qu'on veut vous donner les raisons. Vous vous plaignez tout à l'heure d'un visa court séjour et d'un visa long séjour. Respectons-nous, on n'est pas au quartier. Je crois que lorsque Lydie nous appelle ici, voilà, c'est pourquoi j'ai dit. Voilà, ce que j'étais en train de vouloir dire, c'est qu'il se retrouve en France et Gymnastique Tarragone fait une offre qui est au goût du club. Oui. Et la signature du contrat se fait. Le joueur revient, continue le championnat. Il est donc question qu'il reparte en Espagne pour la présentation officielle. Et lorsqu'il part donc pour la présentation officielle, le club, puisqu'il lui faut un certificat de travail parce qu'il signe un contrat de 4 ans, le club engage donc la démarche et pour cela, il lui faut un visa long séjour. C'est comme ça que le club le renvoie au Cameroun pour venir chercher le visa et remonter. Voilà ce qui s'est passé. Donc je ne vois pas à quel niveau ça, le problème se situe. Donc, et maintenant même. Je vous prends un exemple. Mais on n'a jamais communiqué le montant parce que forcément, et même nos joueurs de professionnels actuellement, quand ils partent d'un coin à un autre, les sommes font forcément minables. Et ça, c'est en Europe. Ici, parce que si on donne le montant, ça va certainement aiguiser les arts petits. Alors, on va évoluer dans ce débat. Merci pour ces précisions par rapport au. Oui, j'espère que. Je vous l'ai dit, il est revenu exclusivement. Il a repris son visa long séjour. Il repart hier. Demain. Il est reparti déjà. Il est reparti. Et demain, il reprend les entraînements avec son club. Voilà. Alors, Yves, on parle. Et à cet effet, il a accordé une interview parce que je crois qu'il a appris aussi ce qui se disait dans les réseaux sociaux. Il a exclusivement accordé une interview à Presse Sport qui est parue ce matin. Donc je pense que ceux qui ont lu cette interview ont été suffisamment édifiés sur sa présence au Cameroun et ça ne devrait plus faire en principe débat. Donc maintenant, si les gens veulent faire des fixations, ça les engage. Alors, j'allais quand même étonner que vous finissiez vos propos sans parler de Presse Sport, mais c'est quand même bonne chose. Alors Yves Dola, comment est-ce que vous analysez justement le mouvement des joueurs camerounais sur le marché européen? Oui, je voulais quand même présenter un peu l'historique des transferts. Vous savez, les transferts des joueurs camerounais vers l'Occident, vers les grands championnats, a connu une évolution un peu lente depuis les années d'accession à l'indépendance. On avait quelques joueurs, les Zachary Noah de l'époque, qui ont joué dans les années, à la fin des années 50, au début des années 60. Un certain Zambouanansi. Voilà, et Abou Solo qui jouait à Bordeaux et tout. Mais bref, bon, ils n'étaient pas nombreux. C'est des gens qui allaient faire peut-être des études et tout ça. Bon, aujourd'hui, on a connu, après l'indépendance, on a eu ce que je peux appeler la première génération. Là-dedans, il n'y a pas eu grand monde. Il y avait eu les Charles et Léa et Charles, Jean-Pierre Tokoto. Les Tokoto Jean-Pierre. Bon, ils partaient vraiment à un certain âge. Mais de plus en plus, quand ça évolue, on voit que les clubs misent sur certains détails.
il y a le talent, le travail, l'origine, l'environnement dans lequel le joueur a évolué dans sa jeunesse, son image, le lobbying dont quelqu'un parlait, et son âge. Très fort. Tous ces facteurs concourent à ce que le club demandeur puisse mettre un schéma de rendement qu'il attend de ce joueur, avec au besoin une marge de progression pour qu'il en fasse vraiment, qu'il se soit rentable. Ouais. Bon, maintenant, si nos joueurs aujourd'hui ne réunissent pas toutes ces conditions, le joueur est devenu comme une marchandise. Mm-hmm. Quand vous allez au marché, là, vous regardez, vous n'allez pas vous jeter sur le premier cajot de tomate pour choisir la tomate. Non. Vous regardez ici, vous regardez chez l'autre. Ça dépend de quel producteur ça provient et tout. Et vous cherchez la meilleure tomate possible. C'est ce que le joueur de football est devenu aujourd'hui. Or, nous avons des mots ici qui minent déjà... C'est pour ça qu'on parle de foot business. Oui, nous avons donc déjà des mots qui minent nos joueurs. Tout le monde a les ciseaux en main pour couper l'âge, pour faire ceci. Donc, très peu porter l'œuvre. Concernant le facteur âge. Oui, concernant le facteur âge. Finir, ouais. Bon, en termes de lobbying, très peu sont gérés dans des groupes de lobby vraiment puissants. En termes d'image, ils n'en ont vraiment pas. En termes d'environnement, on n'a pas de structure dans lesquelles ils évoluent. Origine, bon, on dit, oh, ils sortent il d'Afrique, là. Non, mais il est camerounais. Travail, ça dépend s'il bosse déjà ici, comment il va travailler là-bas. Le talent. Le talent, c'est quoi, mon frère? C'est ce qu'il y a de plus naturel chez le footballeur. Ouais. C'est que vous voyez un petit enfant, sa façon de toucher le ballon, vous dites ça, il a du talent. Maintenant, derrière ce talent, il va falloir le faire travailler. Voilà un peu ce qui peut concourir à vendre un joueur vers un club, et peut-être un grand club. Or, de nos jours, qu'est-ce qu'on constate? À peine le gars, je crois que c'est Sylvain, c'est lui qui en parlait, à peine il s'est fait deux dribbles, un enchaînement, qu'il est parti. Pourquoi on se précipite? On a connu la génération des années 80. Les gars partaient, les abeilles sont partis à 30 ans. Les Mbida presque à 30 ans. Non, Mbida pas quand même plus jeune. Bon, un peu plus jeune. Bref, oui. Mais déjà, proche de la trentaine. Mais sauf que aujourd'hui, un joueur qui va aller à 30 ans... Voilà, on trouve que c'est vieux. Ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, pourquoi ils ne se vendent pas? C'est parce que dans tout ça là, ils sont en dessous de la moyenne. Ça, ne nous voilons pas la face, ne cachons pas les mots. Donc, les joueurs camerounais en thème de talent, d'image, les talents, d'origine. Les talents, vraiment, quand on parle de talent, c'est quoi? On a connu la génération dorée, la plus récente. C'est celle qui a fait les centres de formation normalisés, l'école de brasserie et UCB, sans publicité. Et c'est cette pépinière-là qui a percé. Quand vous regardez là, vous allez voir les Womelen, les Sabeleto, les Kameni, les Njitap, les Song, c'est eux-là. Hein? Et c'est eux qui ont flirté avec tous les grands clubs qu'on a connus. Aujourd'hui, c'est retombé parce qu'on fait tout dans la précipitation. On fait tout. Donc, les mots comme ceux qu'on a constatés pour la préparation aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de pépinière. Dès que la génération là est cassée, là, c'est fini. Il n'y a plus personne qui a pensé à une certaine relève. C'est peut-être aujourd'hui que c'est en train de prendre corps avec le boom des centres de formation qui est un peu partout. Mais c'est fait dans un tel désordre qu'on ne sait même pas où donner de la tête. Donc, il faut réorganiser tout ça pour qu'on puisse espérer que dans 10 ans, qu'on puisse avoir quelque chose. Alors, parfait, Magloire, on va remarquer que, bon, les joueurs camerounais sont davantage en deuxième division.
par exemple, en Europe même, que dans des grands clubs du championnat. Mais là, il y a un certain nombre de facteurs soulignés ici par Yves Nant pour tenter d'expliquer cette situation. Vous qui êtes dirigeant de clubs, vous côtoyez les jeunes au quotidien. Et par rapport à cette thématique, il y a par exemple les jeunes qui estimaient aussi que le problème, c'est aussi la qualité de formation. La qualité des formateurs, et qu'aujourd'hui on se retrouve par exemple dans des centres de football où un enfant vient, il fait les exercices tels que son prof a décidé et puis il repart. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce dépassement de soi-là, ce plus-là qui peut amener justement cet enfant à être un être exceptionnel. Est-ce que ça aussi, c'est peut-être une raison que vous partagez? Bon, je partage cette idée. Je partage cette idée parce que, vous savez, quand nous utilisons certains joueurs, comme Noah Gabi Foot par exemple, nous prenons le joueur pour le résultat d'abord. Vous voyez, voilà déjà la première erreur. Nous prenons le joueur pour le résultat. Et là, ça devient peut-être compliqué parce que nous avons besoin d'un résultat assez direct, imminent et tout de suite. Ouais. Bon, mais est-ce que ce joueur que nous prenons, il est dans les dispositions de nous satisfaire entièrement? C'est la question que nous nous posons. Or, si ce joueur avait un suivi depuis son bas âge, c'est-à-dire étant tout petit, il évolue et nous le voyons, à ce moment, nous sommes sûrs qu'il pourrait nous être utile et après nous, il ira dans un club un peu plus élevé. C'est comme ça la politique. Mais tant que les joueurs camerounais auront besoin, ou alors les dirigeants que nous sommes auront besoin de résultats immédiats. Vraiment, ça sera très difficile pour que nos joueurs puissent évoluer. Est-ce que c'est facile justement de comment je peux dire ça, d'avoir peut-être une équipe pour des résultats directs et des joueurs aussi sur qui on mise sur la durée? Vous posez une très bonne question. Parce que logiquement, une bonne équipe, c'est-à-dire une équipe qui a un bon projet, devrait avoir des catégories inférieures. Devrait avoir des équipes de catégories inférieures qui sont très bien formées, très bien structurées. C'est intéressant. Et c'est la catégorie inférieure qui doit nourrir les autres catégories. Et c'est comme ça qu'on évolue. Mais tel ne semble pas le cas. C'était même comme ça, on avait combien d'équipes? Voilà. Il y avait les juniors, Dynamo Junior, ainsi de suite. Ça existait à l'époque. Tu fais bien de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on n'arrive pas à comprendre. C'est ces agents de joueurs qui tournent autour. On n'arrive pas à comprendre comment. Ces formateurs de tout acabit qui tournent autour. Dès que vous avez un joueur, on prend. Allez, maintenant, chaque joueur vient jouer juste pour le plaisir de partir. Quand bien même. Il n'est pas mûr. Dans sa tête, c'est qu'il faut jouer au football. Et partir. Il y a même l'hygiène de vie. Maintenant, ça devient un peu plus difficile. Parce que quand on prend ce genre de joueur, on amène peut-être dans un pays européen, ça devient plus compliqué. Parce que l'hygiène de vie, déjà, c'est pas la même chose. L'adaptation, l'environnement, tous les éléments qu'on a cités, ce n'est plus la même chose. Il peut avoir le talent. Ouais. D'accord, mais je pense que tous ces éléments qui ont été cités sont des éléments cumulatifs. Parce que quand l'un fait défaut, il y a problème. Il y a effectivement problème. Donc, de ce côté-là, c'est tout à fait normal que lorsqu'on prend un joueur, c'est difficile qu'il se retrouve dans un club de premier degré, parce qu'il faut le moduler, il faut le faire réadapter au contexte là où on se trouve. Conclusion, ils doivent aller en deuxième division, dans les réserves, ainsi de suite. Et pour qu'on essaie de leur donner une autre façon de faire, une autre façon de Et pour jouer, il va se retrouver en Afrique, en Amérique, en Europe, en Slovénie. En Europe de l'Est. Donc, bon, c'est vrai qu'on a mis un signe en Europe. Et là, si vous arrivez, que vous avez maintenant du talent, parce qu'il y a les joueurs qui ne sont même pas déjà talentueux. Il y a ça, ils ne sont pas déjà talentueux. Mais qu'on arrive quand même à faire partir. Vous voulez pourquoi? Il n'est pas talentueux, quand il va partir, il va revenir. Parce qu'on vous soumet à des exercices que vous ne pouvez pas. On va lui injecter le talent là-bas. Et on a vu ça au niveau du championnat, justement, Sylvain Kouambi, vous qui suivez le championnat de très près, des joueurs qui sont partis et qui sont revenus après. Talentueux?
Oui, très talentueux. Ayant même porté la tunique des Lions une ou deux ou trois fois, ayant eu deux ou trois caps. Voilà. C'est un problème général. Moi, Sylvain, quoi que je m'en prends à lui, je ne m'en prends pas à toi. Ça non, jusqu'ici, je ne me suis pas la voix exprimée. Il y a des noms qui reviennent constamment. Des gens qui sont allés même, j'ai vu Mundi, qui s'est retrouvé, je crois, où c'est en Irak. Dites-moi, non. Lorsqu'on aura besoin d'un milieu récupérateur, moi j'ai vu Mundi ici, c'était la classe. Il s'est retrouvé à la fin en Irak. On m'a dit non, bon, vous savez, l'argent, bon, ainsi de suite. Donc, il y a toute une cacophonie. Ce qu'il faut dire, Lydie, c'est que. L'Afrique du Nord aussi. Le diagnostic a été bien fait, mais sauf qu'il faut rappeler que le Cameroun de gauche de beaucoup de talent. Lorsque vous regardez les enfants jouer, ils ont beaucoup de talent. Mais le véritable problème, c'est l'encadrement. C'est ça qui cause le véritable problème. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont moins que ce que nous on a en termes d'infrastructures, mais qui réussissent quand même à avoir le minimum d'encadrement pour permettre de créer un cadre serein et encadrer les jeunes pour qu'ils puissent percer dans leur domaine respectif. Le gros problème, regardez comment est-ce que nos joueurs sont encadrés. C'est de ça dont il est question. Tout à l'heure, on parlait de la formation, justement. On a certes, on est dans une sorte de cacophonie, mais il y a beaucoup de bonnes formations qui sont faites. Tout à l'heure, on parlait de la trajectoire de Diété. Ça peut sembler bizarre parce que peut-être il a eu, je ne sais pas, la chance de se retrouver à l'Union, et on sait combien aujourd'hui Union, pour certains, on ne sait pas si c'est une certaine rancœur par rapport à l'Union, mais c'est une trajectoire exceptionnelle. C'est-à-dire, vous partez de la Ligue régionale pour vous retrouver à peine une saison et vous réussissez à intéresser un club, certes en deuxième division, mais pas n'importe où, en Espagne quand même. Ça veut dire que c'est pas gratuit, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tout à l'heure, il parlait des agents de joueurs, c'est vrai. Il y a trop de charlatans autour des joueurs. Et là, à ce niveau aussi, c'est-à-dire, c'est vrai, on va rejeter le tort sur les responsables, les dirigeants, mais il faudra aussi que les joueurs eux-mêmes soient sérieux. Parce qu'on a des joueurs qui ne sont pas sérieux. Lorsque vous les suivez un peu de plus près, vous comprenez mieux cela. Vous avez des joueurs qui rêvent plus qu'ils ne jouent sur le terrain. Simplement parce qu'on les applaudit un peu, justement, comme vous disiez. Ils commencent à rêver plus qu'ils ne jouent. Ils font des caprices. Je me pose souvent la question s'ils connaissent même dans quelles conditions ils se retrouvent. Moi, je discutais avec certains joueurs, je leur ai dit, vous voulez jouer au football. Vous avez la chance encore qu'il y ait des structures qui essaient de vous donner le minimum d'encadrement. Je leur ai posé la question, est-ce que dans notre championnat, dans un championnat professionnel, la première source de revenus d'un club, c'est quoi? On est tous conscients que c'est la billetterie. La deuxième source, les produits dérivés. La troisième source, le sponsoring. Je leur ai posé la question. De ces trois sources de revenus, dites-moi une seule qui revient à ces clubs. Aucun. Ça veut dire que on peut insulter nos présidents de clubs, on peut tout leur dire. Non, mais c'est Union vrai. Se bat quand même pas mal là-dessus. Non, pas seulement Union. Si tous ces clubs réussissent et continuent à exister, ça veut dire qu'il y a quand même des efforts astronomiques qui sont faits par certaines personnes pour que ça existe. Alors, quand on a pris conscience de cela, on se met au travail. Parce qu'on se dit que cette souffrance-ci, ça doit être pour nous-mêmes une sorte de drogue. On doit se battre pour sortir de ces conditions. Mais quand vous les regardez sur le terrain, vous n'avez pas l'impression qu'ils se battent. Justement parce qu'il y a ces agents véreux, ces charlatans, et les présidents impuissants, parce qu'ils n'ont pas de possibilité de valablement se revendiquer ces joueurs, parce qu'on sait un peu comment certains joueurs se retrouvent dans certains clubs et tout. Donc ils sont tellement impuissants. On a assisté parfois à des situations où justement, le joueur est parti. Voilà. Et c'est peut-être après que par voix de radio que le président apprend que son joueur... Donc, les présidents sont tellement impuissants. Les présidents sont tellement impuissants face à ce phénomène que à un moment, vous voyez, ça va dans tous les sens. Et c'est pourquoi il me semble que au niveau de la fédération, il y a un travail qui semble vouloir être fait dans ce sens, c'est-à-dire commencer à la base. Parce que il disait tout à l'heure, la base, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, il y a que à peine un ou deux clubs aujourd'hui qui continuent à avoir des catégories inférieures, notamment l'Union de Douala, je pense la Jalankouane aussi. Qui a réussi encore, et peut-être Lyon Sport qui réussit à avoir des catégories inférieures. Et aujourd'hui, on a vu ce stage de détection qui s'est fait sur le plan national.
ces jeunes qu'on va prendre intégrés au centre technique. Et cela est parti d'une idée. J'ai discuté, tout à l'heure on parlait du phénomène de l'âge. Oui. J'ai discuté avec le coach Toa une fois qui m'a fait des révélations. Peut-être pas troublantes, mais qui étaient des révélations intéressantes. Dans ce sens que le problème d'âge, ce n'est pas qu'au Cameroun qu'on vit cela. Oui. Mais sauf que dans d'autres pays, on a réussi à anticiper. On a réussi à anticiper en amont, c'est-à-dire on prend des jeunes et c'est à partir de là qu'on agit et on les soumet à un encadrement, à un suivi particulier. Lorsqu'ils se retrouvent demain à un certain niveau, on ne peut même pas savoir que ce joueur, peut-être on lui a retiré 1 ou 2 ans d'âge. Donc, il y a un travail aujourd'hui de fond qui est en train d'être fait pour qu'une pépinière puisse être mise en place. Et on espère que ce travail ne sera pas... Il y a même les conflits entre... Sans te couper, les conflits entre les présidents de clubs et même les familles oui, d'où sont issus ces joueurs. Justement. Ouais. Donc c'est pour dire, vous voyez que c'est il y a c'est une, ça que une telle cacophonie. Il parlait de l'environnement tout à l'heure. Non, je pense qu'il faut d'abord même déjà définir un cadre, c'est-à-dire un cadre juridique pour encadrer cela. Je vous prends un exemple, les entraîneurs par exemple n'ont pas de cadre juridique. On a un club comme Bambutos qui limoge à bout de champ et qui recrute comme des bouts de pain. Il faut un cadre. Vous avez des joueurs qui se retrouvent à Bambutos. On ne sait pas par quelle alchimie en mi-saison, ils se retrouvent à Union après à moins de deux journées de la fin. Ils se retrouvent à Canon. Mmh. On ne comprend pas. Aujourd'hui, on voit des conflits. On voit des conflits. Un joueur qui a joué avec tel nom, il se retrouve dans un autre club. On réussit quand même à voir le même visage, mais on veut tergiverser sur le nom. Pourtant, on a bien vu ce visage jouer jusqu'à on veut aller commencer à traiter ce genre de problème. On tranche net, on n'a pas besoin. On lui donne même les diplômes. On donne même les diplômes qu'il n'a pas. Qu'il a eu le bac à tel Donc, vous comprenez qu'il faut déjà d'abord commencer par définir un cadre juridique. Et lorsqu'on a défini cela, on essaie juste d'être rigoureux sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire, quand vous vous engagez avec, par exemple, l'Union de Douala, qu'on sache que pour partir de l'Union de Douala, pour New Star, il faut qu'on se rassure que, vraiment, cette clause, les clauses de séparation sont véritablement respectées. Ouais. Et ça se fait. Est-ce que vous voyez en Europe, on peut blaguer dans un transfert? Non. Mm-hmm. Mais pourquoi ici, chez nous, on se retrouve à blaguer? C'est seulement parce qu'il n'y a pas un cadre juridique. Tout est fait un peu à l'emporte pièce. Donc, il faut réorganiser tout cela. Et j'ose croire que ce chantier est en train d'être fait. Espérons qu'avec les infrastructures, parce que cette question aussi est très importante. Je l'ai soulevé tantôt. Avec les infrastructures qui arrivent, une bonne réorganisation, je suis sûr que d'ici 3 ans, on aura un football nettement mieux que ce qu'on a, ce qu'on vient de dire. Déjà peut-être, d'ici 3 ans, on va peut-être aussi... On peut avoir 4 stades déjà. Et puis le général Semeng nous a encore promis certains stades. Il ne faut pas rester Ça c'est de l'utopie. Non, après... Non, nous parlons d'infrastructure. La présence, au moins, on a déjà un stade à Limbé. On a un deuxième. On a un à Bafoussam. On sait que. Troisième. Oui, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'avec la CAN 2016, le sud-ouest aura au moins 4 stades. L'ouest a au moins un stade digne de ce nom. Le centre, c'est-à-dire Yaoundé, aura au moins 3 stades propres, bien. Maintenant, on espère que ceux de la FECAFOOT vont véritablement pousser et ça va augmenter. Mais si on veut déjà s'en tenir à ces stades-là, la Ligue peut par exemple prendre une décision forte. C'est-à-dire plus de matchs dans la boue. Par exemple, on ne joue exclusivement que sur ces infrastructures. Alors, ça va au moins changer quelque chose. Votre optimisme me renverse. Est-ce que on va continuer à assister, par exemple, à cette situation-là, à continuer à observer l'absence de nos joueurs dans les grands clubs européens? Pensez-vous que c'est une situation qui va perdurer? Oui, si je dis tout à l'heure que si nos sélections, que ce national n'ont plus le vent en poupe, c'est une situation qui forcément peut perdurer. Et si toutes les situations qu'on a évoquées tout à l'heure, Yves le disait, Sylvain l'a dit, continuent à perdurer, où est-ce que vous croyez que nous pouvons aller? Donc il faudrait effectivement faire des choses à la base pour pouvoir espérer mieux. Et puis qu'on fasse table rase. Parce qu'il n'est pas question forcément immédiatement d'avoir des résultats. Il y a des équipes ou alors des pays qui passent souvent des périodes un peu mortes. Souvenez-vous, l'Égypte a dominé le football africain pendant une bonne période. En ce moment, ils sont en train de traverser une période un peu, disons, morte. Mais ils sont dans la formation. L'Égypte la reviendra forcément dans les années à venir. Et il faudrait bien que les Camerounais
essayent de donner parfois le temps au temps. Ce qui est bizarre avec nous, moi y compris, vous y compris, c'est que lorsque les Lions se retrouvent au stade, c'est immédiatement le résultat. Or, on peut être en construction pour avoir un résultat un peu plus tard. Et si on a un résultat un peu plus tard... Faudrait-il qu'on soit sérieux dans ce qu'on appelle la reconstruction? C'est de ça que j'ai l'impression. J'allais lui dire que moi, on nous a parlé de la reconstruction. Donc, à un moment donné, on a l'impression que c'est... Voilà. Et puis, ne pas se précipiter, parce que lorsqu'on parlait de reconstruction ici, je me souviens, c'était sur le plateau, on avait fait deux bons matchs contre, je crois, la RDC et puis la Côte d'Ivoire, qu'on avait laminé au Cameroun, 4-1, la RDC. Bon, on avait vu... des petits comme J. Clinton et ainsi de suite, qui ont voulu effectivement se précipiter et se retrouver dans un club où ils ne pouvaient pas forcément jouer. Ça fait en sorte que, footballistiquement, forcément vous régressez. Aujourd'hui, veut-il venir à Marseille? Veut-il partir? On ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a aussi également, Lydie, il faudrait aussi qu'on parle. Je ne sais pas si on pourra avoir la chance de convaincre un tout petit peu aussi nos binationaux à réintégrer la nation. Et là, c'est le travail que devrait faire, j'appelle d'ici, le travail que devrait faire l'ambassadeur itinérant Jemila. Oh. C'est à lui qu'il revient à la limite de tout ça. C'est ce qu'il pour fait essayer déjà. De... Il le fait, je suis d'accord, ouais, mais qu'il essaye de mettre les bouchées doubles pour qu'on ait ces binationaux ici. Et peut-être ça relevera. C'est la solution, Yves, non? C'est l'une des solutions, moi, je pense. Moi, je voulais juste te dire que c'est bien beau. Là, au moins, je peux être. Je peux aller un peu dans le sens de Yves. C'est bien beau de demander aux binationaux de revenir, ça c'est bien. Mais seulement, est-ce que nous avons les capacités de les mettre dans les mêmes conditions de travail? Voilà une autre difficulté. C'est même ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, ils aiment bien la patrie, mais la façon dont ils sont accueillis, l'environnement ne semble ça pas. Ça passe par un assainissement de l'environnement, c'est donc, de ça que je parle. Qu'on remette un assainissement à plat pour qu'ils reviennent. C'est ce que je voulais donc dire. Il y a certains qui étaient déjà là qui sont partis. Revenir. Il faut revoir, il faut assainir l'environnement. Nous avons brillé par quoi? Tel a mangé alors que le capitaine était encore au coup de fil. Tel a fait ceci, c'est des choses qu'il ne voit pas en Europe. Ils sont étonnés. On est obligé de payer ici, ça c'est les joueurs. On est obligé de payer en espèces sonnantes et trébuchantes pendant qu'ailleurs on fait des chèques. Il me souvient que lorsque le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde en 2010, voilà, on appelle la mère de... C'est une anecdote, hein. On appelle la mère de Matip, on lui dit, bon, compte les 23 millions, je ne sais pas combien c'était. Elle dit, mais comment? Elle n'a jamais vu ça. On lui dit, non, chez nous ici, si c'est une histoire de chèque, alors là, vous risquez de ne même plus revoir votre argent. Je voudrais quand même dire quelque chose de pertinent. Tout à l'heure, vous êtes rentré un peu dans l'histoire, Yves est rentré un peu dans l'histoire pour nous expliquer les progressions de notre équipe nationale. Mais regardez, ce qui est quand même curieux, c'est que dans les années 60, où l'équipe nationale brillait, on retrouvait des joueurs qui ont certains vécu ensemble. On rentre dans les années 2000 où justement on a eu cette belle période de gloire. Ce sont des joueurs également qui ont eu un vécu, même s'ils ne jouent pas dans les mêmes championnats, mais qui ont eu un vécu dans un centre de formation où ils ont tous appartenu à une certaine période. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Je vous prends un exemple, même nos sélections inférieures, c'est-à-dire les A'. On pense que c'est quand on va prendre un joueur à New Star, deux à Union, un à Coton, un à Yon Sport, qu'on va faire une équipe. Donc, lorsque vous prenez par exemple l'équipe d'Espagne, à un entraîneur de l'Union, il va sélectionner aussi 7 joueurs. Non, ce n'est même pas souvent le problème de l'entraîneur, c'est un problème national. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure, communément au quartier, on appelle ça le nolet, que les lobbying, voilà, justement, pour être pour rester dans le jargon. Justement, c'est tout ça aussi. Quand vous regardez l'équipe d'Espagne, c'est à 80% des joueurs du Real de Madrid et peut-être quelques joueurs comme pour Barça. Mais il y a un certain vécu. C'est-à-dire, on veut par exemple faire une équipe des A'. On regarde, on sait qu'il y a des équipes claires. Il faut une ossature. On peut par exemple regarder qui actuellement a la meilleure défense. L'équipe qui a la meilleure défense, on dit on conserve ses défenseurs parce qu'eux, ils ont un vécu qui les permet déjà d'être bien ensemble. Quelle est l'équipe par exemple qui a le meilleur milieu de terrain? Et l'essentiel pour nous, c'est d'avoir une équipe beaucoup plus forte. Mais le fait qu'on veut penser que non, parce que tel joueur, on va prendre un à New Star, un à Union, un à truc, forcément, c'est ça. Donc, c'est vrai, c'est une formule qui peut marcher, mais sauf que jusqu'ici, ça ne nous a pas produit grand sur un plan. Parce que dans les années 60 ou 70, on retrouvait des gars qui jouaient c'était dans Canon Union, pratiquement. Canon Union, Tonnerre, bon, ainsi de suite. Voilà. Et quelques joueurs de la Dynamo. Est-ce que c'est parce que les autres clubs n'avaient pas de bons joueurs? Non, ils avaient de bons joueurs. Bon, sauf que
c'est réel. Il faut peut-être appartenir à la même situation. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à, au Côte d'Union qui pourrait prendre 7 joueurs, nous l'avons connu en 1996, lorsque nous allions jouer la Coupe d'Afrique en Afrique du Sud, où le coach de Lyon, j'oublie juste le nom, je vais me rappeler tout à l'heure, était... Non, c'était en 96. En 96, c'était Nyonga, non? Où il était entraîneur de, en même temps entraîneur de la CNPS. On s'est retrouvé pratiquement avec 7 ou 8 joueurs, 7 joueurs de la CNPS et beaucoup plus de joueurs de consonance anglophone que le Cameroun n'ait jamais eu en une compétition. Donc, moi je pense que... Je pense que... Il y avait Chifrou, c'était tout normal. La meilleure façon de nous faire vendre, c'est de commencer comme nous disons à la base. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand nous avons les U17. Parce qu'après les U17, ils seront les U20. Ils seront les U20. S'ils ne sont pas déjà U20. Non, oui, non. J'ai dit, non. Ils ne sont pas encore U20 tant qu'ils ne jouent pas dans l'équipe. Ils sont U17 tant qu'ils restent dans la logique. On s'est compris. Mais j'ai dit, tant qu'ils ne sont pas dans cette. Il faut se suivre. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Ebouele Bretin est avec les U17. Donc les gars, ils vont jouer. Mais il faudrait qu'on laisse ses enfants. C'est lui qui a les 17 ou c'est Rigo? Non, c'est Hugo les A prime. Voilà. Donc il faudrait qu'on les laisse évoluer ensemble pendant un bon bout de temps. Et ensuite, on les fait monter et on peut même le faire, même avec leur coach. Vous savez ce que je t'ai dit au moment où ils vont à U20, leur propre coach qui les suivait à U17, ainsi de suite. Et je vous assure qu'à un moment donné, ça va produire du résultat. Mais je suis déjà au moins satisfait d'une chose, c'est que la nouvelle équipe à la Fédération Camerounaise de football fait quand même des efforts. Elle fait des efforts quand même de... Non, j'ai dit l'équipe actuelle, celle de Tombiaro. La Fédération Camerounaise de football fait quand même les efforts de mettre ces joueurs-là. Là, on peut voir la préparation de toutes les équipes nationales. Toutes les équipes nationales qui se préparent aujourd'hui. Vraiment, on leur donne assez de moyens et du temps. Avant, c'était pas ça. C'était les préparations assez bâclées. Vous faites 2 semaines, vous allez aujourd'hui. Je ne crois pas au barbotage. Non, j'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez que dans cette logique, bon, nous sommes toujours, nous ne pensons pas toujours la même chose. Mais ça, c'est tout à fait normal. Mais parce que là, les résultats suivent. Vous voyez qu'au niveau inférieur, les équipes sont en train de réaliser des résultats, même jusqu'au football féminin. Donc, je dis, c'est à encourager et il faut maintenir donc ces éléments longtemps, et l'âge faisant, ils vont évoluer à une catégorie supérieure. Et ainsi de suite, nous pourrons avoir des joueurs qui iront maintenant à l'étranger étant bien mieux pour n'avoir pas sauté les étapes. C'est ce que nous sommes en train de donc c'est un bel exemple. Voilà, effectivement. Oui. Comment peut-on faire pour mieux se vendre justement sur le marché international? Un, j'interpelle la DTN. Oui. Qui doit être au centre de la détection. Au centre même de cette réorganisation. Sylvain a parlé de la détection au niveau national. Ça, c'est un très bon point. D'ailleurs, lorsque j'ai lu ça dans les réseaux sociaux, j'ai envoyé un post au coach Toa pour lui présenter mes félicitations. Je dis, voilà quelque chose qu'on attend depuis. Claude Leroy l'avait déjà fait en 86, 85, 85. Oh, pas de la même façon quand même. Il a fait le tour du Cameroun. Oui, mais parce que là, à quel âge ils les prennent? Et ça, pour créer le concept vivre ensemble, c'est là, dans la pépinière, qu'on va les mixer pour vivre ensemble. Mais seulement, la DTN doit déjà définir la philosophie de comment doivent fonctionner ces trucs. Quel style de jeu nous voulons mettre en place pour l'équipe nationale senior, pour les catégories inférieures et tout ça. Et que tous les entraîneurs travaillent sur ce plan-là. C'est comme ça que les autres ont fini par adopter des automatismes. Que tu prennes un gars chez les cadets, tu le lances dans l'équipe première, il se retrouve parce qu'il a la philosophie déjà dans les gènes. Voilà, ça c'est de un. Et puis les talents, il ne faut pas qu'on pense que tout le monde naît avec le même talent. Non, les talents c'est comme les escaliers. Il y a des un peu bons, des un peu plus bons, des un peu plus bons, et puis il y a les sommets. C'est ça. Donc, le talent, ça ne se fabrique pas, c'est naturel. Donc pour vous, Yves, non, la solution passe
pas faut détecter. Voilà, on détecte à très bas âge. Une véritable politique, de politique. Un programme. Voilà. Et on les fait travailler depuis la base. Pour les faire évoluer, grandir. Et à partir de là, il y aura une lisibilité et une visibilité de l'évolution du gars depuis le bas âge jusqu'à ce qu'il soit à la porte de, peut-être du professionnalisme, de manière à ce qu'il puisse se vendre de meilleure façon. Parce qu'aujourd'hui, jusque-là, on est resté vraiment, moi, je suis désolé de le dire, on est resté dans la praderie. On sait quand même que notre équipe nationale est composée, la plupart des joueurs évoluent à l'étranger. Non, évoluer à l'étranger, pour moi, ça ne veut rien dire. Je parlais peut-être des binationaux aussi tout à l'heure. Les binationaux, on ne les aura jamais plus ici. Qu'est-ce que vous pensez que vous pourrez dire à Umtiti de laisser son équipe de France où il a brillé? Il n'y a pas que Umtiti. Non, laissez-moi prendre le cas de Umtiti. Vous allez Umtiti prendre... s'est tranché, il est parti. Oui. Il y a d'autres. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Que vous allez le prendre là-bas pour le ramener ici dans notre désordre national? Pourquoi pas? Non, jamais. Il ne pouvait pas. Qui allait le convaincre? Pourquoi? Là-bas, il n'a jamais discuté histoire de prime. Vous croyez que là-bas, il n'y a pas de désordre? Il y a les désordres, mais on ne discute pas les primes. Vous vous souvenez de Naïsna? C'était un problème de quoi? Naïsna, c'était un épisode, c'est passé. Ah bon? Aujourd'hui, donc ça existe partout? Non, c'était un accident. Non, aujourd'hui, pas forcément. Si. Pas forcément. Aujourd'hui, l'équipe de France a évolué à l'Euro. Est-ce que Nasri, c'est un accident? Non, Nasri, on l'a exclu. Pourquoi? La preuve. On ne va jamais dire, il y a eu quoi? Il y a eu quelque chose. La preuve, Nasri va quitter Manchester. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Nasri va quitter Manchester. Il y a des problèmes dans. Il y a des problèmes partout. Mais c'est... Non, mais à des degrés divers. Sauf que c'est des cas vraiment très isolés. Au Cameroun, on peut citer au moins 20 cas. Mais comment et puis c'est répétitif. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais on peut quand même les convaincre. On peut quand même les convaincre. Moi, mon problème, c'est de ne pas fermer la porte à cette... On ne ferme pas. Pour Yves, non. On ne ferme pas. Mais j'ai dit, tant que ça fonctionne comme ça a fonctionné jusqu'à hier, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, avec l'apport de Sylvain et de Papa Magloire, des choses vont commencer à évoluer positivement. Même pas avec l'apport de celui qui a énoncé la possibilité de faire revenir les binationaux. Donc, vous m'excluez même de Pour le moment, si on comprend bien, Yves, vous estimez que le Cameroun n'a pas l'environnement qu'il faut, l'environnement nécessaire pour permettre justement à ces joueurs binationaux de choisir le Cameroun plutôt. On n'a pas encore ça. C'est pas encore ça. On est encore là à se battre pour la fédération. Même c'est pas forcément un problème camerounais, Yves. Parce que même Me limite au problème du Cameroun. Ouais. Pas savoir si ça se passe bien ailleurs. Je veux qu'on arrête d'abord nos problèmes ici au Cameroun. Ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas forcément seulement l'apanage des joueurs formés au Cameroun ou alors qui jouent dans notre championnat. Il me souvient qu'Eto a pris toute une série de petits jeunes enfants qu'il a amenés en Europe. Vous me dites aujourd'hui, vous allez me dire aujourd'hui, en dehors, à part peut-être on doit. Qu'on a tous vu. Qui d'autre aura quand même assez évolué là-bas de façon positive? Ils sont où? Pourquoi ont-ils disparu? Captoum est encore à Barcelone. Barcelone. Il a fait la pré-saison là. Oui, je dis Barcelone. Oui. Allez le dire à mon fils, il te dira qu'il ne connaît pas Captoum. Jean-Marie Ndomo. Mon fils connaît Iniesta. D'accord, Iniesta a affirmé. Iniesta oui, c'est ça que je dis, mais Captoum est parti depuis combien de temps? Mais Captoum, c'est un jeune. Il est jeune. Est-ce que... Camara qui est dans l'avion là, ton fils le connaît? Non. Ton fils le connaît? Non, nous ne parlons pas de la même chose. Voilà. Nous ne parlons pas de la même chose, s'il te plaît. Je suis en train de dire ceci, monsieur Yves, non. Oui. Je dis ceci. La QV et tout, de l'autre côté, ils étaient combien à peu près? L'éclosion. Il était plus d'une dizaine. Voilà, l'éclosion n'est pas celle qu'on attend. C'est de ça que je parle. Non, beaucoup sont appelés. L'éclosion n'est pas celle qu'on nous attendons. Tout comme au Cameroun, l'éclosion, on cite Camara, c'est un cas parmi peut-être 100. Eto, dans sa génération, ils étaient combien? Combien sont sortis comme Eto là? Non. Combien? Yves. Dans sa génération à lui? Yves. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il y a un tri qui se fait progressivement. Et à la fin, pour avoir un grand joueur... J'ai l'impression que je ne suis pas compris. Je dis donc que la formation dont on parle n'est pas seulement celle qui doit être faite au niveau du Cameroun. Même ceux de nos joueurs qui sont partis, étant tout jeunes, et qui ont fait des classes et autres, dans des grands clubs comme... Barcelone n'ont pas forcément réussi. C'est de ça que je parle. Non, mais ça dépend de ce qu'on appelle par ici. Moi, j'aimerais que ça commence ici. Si la
réussite, c'est absolument être Samuel Eto'o. Non, je ne pense qu'on doit se foutre le doigt à l'œil. Non, non, on ne se lève pas. On ne se lève pas. La réussite peut être. On ne se lève pas tous les matins et on a Samuel Eto'o. Non, la réussite peut être Stéphane Dia. C'était pas ici. Voilà. Écoutez, la réussite peut aussi être Samuel. Ça peut être Stéphane Dia, ça peut être Jérémy Njitap, ça peut être Wemé. Oui, après on a. Mais ils ne sont même pas au petit niveau. Non, il y a Ndongo qui joue. Il est à Saragosse. Qui est à Saragosse. Et il y a l'autre, j'oublie son nom, qui est. C'est pas un grand avec club. Le Eto'o, avant d'arriver. Eto'o, avant d'arriver. Qui, je dis, c'est pas un grand un club. De ses fils, un de ses fils qui est avec lui dans son club. Donc, c'est pourquoi j'ai dit peut-être ce n'est pas à votre vitesse, mm-hmm. mais ils sont encore très jeunes. Donnons-leur le temps de s'affirmer. Bon, peut-être aussi au Cameroun, non, ce n'est pas à notre vitesse. Donnons aussi à ceux du Cameroun le temps. À ce moment, ils arriveront également. Non, je voudrais que la formation commence ici. Mais il faut qu'il commence. Non, vraiment, pour qu'on assiste à un renversement de la situation, ce n'est pas pour tout de suite alors. Non, il faut du temps. Il faut du temps. Et il y avait une publicité. Mais pendant, il pendant, faut du temps de oui, l'esprit du savoir-faire pour atteindre la perfection. Ouais. C'était une publicité. Alors, et c'est la même chose. C'est une question de décision. Temps. Il faut du temps et on suit particulièrement tout cela. Et c'est ça, il faut le suivi. Et le suivi, ce n'est pas deux jours. Le suivi, c'est dans l'espace même et dans le temps. Mm. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas suivre un joueur en deux semaines, vous trouvez que. Non. Comme je prends l'exemple de catégories inférieures. Vous voyez, il faut les suivre. On est avec les U17, on voit les U20, on voit les U23. Et il faudrait cette progression. C'est-à-dire, vous quittez des U17, ainsi de suite. Vous arrivez en équipe nationale. Et je vous assure qu'en arrivant au Lion Indomptable, donc les vrais maintenant, vous serez vous-même un vrai lion. Parce que vous n'aurez pas brûlé les étapes. Et vous voyez que vous avez constaté que tous ceux des joueurs qui ont fait toutes ces étapes réussissent quand même en Europe. C'est ça le véritable problème. Quand vous quittez de la catégorie inférieure à la catégorie supérieure, avant maintenant d'aller en Europe, vous avez toutes les fortes chances de réussir. Par contre, quand vous arrivez, vous avez 18 ans, les agents verront court. Allez, on vous ramasse, on vous envoie en France. On dit que bon, vous allez jouer dans telle équipe ou bien dans tel pays d'Europe. On sent qu'il y a quelque chose qui ne cherche pas. Donc c'est tout à fait normal que vous arriviez là-bas. Étant encore jeune, on est obligé de vous utiliser. À un moment donné, on vous met sous un exercice que vous ne pouvez pas supporter. Parce que votre âge ne vous permet pas à ce moment-là. Vous êtes obligé de commencer à trimer et ainsi de suite. Parce qu'on vous a trop vite vanté. Et je crois qu'il a pris l'exemple de Jake Litton. Jake Litton, sur qui on a fait toute une mère. Il n'était pas encore mûr. Il n'était pas sous le droit parce qu'il sort de l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun, par exemple, a les moyens qu'il faut pour retenir ses joueurs, pour retenir ses talents, pour qu'ils ne partent pas très jeunes, justement? Non, il y a même encore un autre problème. Oui, il y a encore un autre problème. Le Cameroun même, parce qu'il faut aussi le dire, le Cameroun a une part de responsabilité. Parce que vous allez constater que les joueurs, tout le monde voudrait se retrouver là où il y a un peu de bonheur. Mm-hmm. Et au Cameroun, ce n'est pas facile de vivre du métier de football. Mm-hmm. Donc il y a des joueurs qui ont faim, qui ont des familles. Ils préfèrent aller se battre à l'étranger. Là où il s'assoit quelque part, il a 1 million chaque mois. Il sait qu'au moins, avec cela, il peut nourrir sa famille. Il n'a plus besoin, qu'on l'appelle en équipe nationale ou non, qu'il progresse. Là, ce n'est pas son problème. Il faut qu'il essaie de vivre. Donc, il y a ça. Mais quand on veut faire carrière dans le football, quand on veut vraiment faire carrière dans le football, il faut être patient, travailler et rien que travailler. Voilà. Patience, travail. Yves. Oui, j'allais dire que la même structuration qu'on propose, par exemple, pour l'équipe nationale et ses catégories inférieures, on devrait l'imposer à tout club digne de porter le statut de club professionnel. Et puis depuis qu'on parle là, je ne crois pas avoir entendu parler même d'une grille de salaire nationale pour les footballeurs au Cameroun. Je ne sais pas si on a évoqué ce genre de. Voilà aussi des choses qu'on doit définir. Il y a une grille de salaire. Il faut qu'on la publie. Est-ce que c'est suffisant pour retenir? Est-ce que c'est suffisant pour retenir un joueur au Cameroun? Il y a des gens qui travaillent au Cameroun avec 150 000 qui jouent au Cameroun. Les footballeurs, la carrière de footballeur est courte. Effectivement, c'est vrai. Donc il faut tenir compte de cela. Il faut augmenter, il faut voir ça. En 50 ans, vous ne pouvez pas jouer au football.
boss. Le football-là, à 30 ans, c'est fini. Hein, ouais, vous allez à la retraite. Voilà. Merci. Merci. Merci bien, messieurs, d'être venus débattre avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Au revoir. Il y a des choses...